Et salut à tous et salut à toutes et bienvenue sur ce dernier stream avant la fin du monde numéro 4. Oula, je vais essayer de tirer, pas trop crier dans le micro sinon ça sature. Et je suis Ludovic et je suis heureux de vous accueillir. Et oui, vous voyez que là, il n'y a personne à côté de moi parce que il est là bien sûr, c'est Bastien. Salut Bastien, comment vas-tu ? Bonsoir. Et voilà, oui, donc un numéro un petit peu spécial parce que on n'est que deux. Alors on avait prévu un streamer, on avait prévu Gabriel qui devait normalement faire un stream. Alors on a fait les essais techniques et malheureusement son PC n'était pas suffisamment puissant pour faire tourner le Darwin Project. Mais c'est que partie remise, Gabriel, il n'y a pas de souci. Pour le prochain numéro, il va falloir essayer de trouver un jeu, essayer de trouver quelque chose qui puisse tourner sur ta machine ou peut-être éventuellement on va fonctionner peut-être de temps en temps, on va passer sur une PS4 et hop et console. Hop tac. Ah mais t'es là, salut Gabriel. Donc oui, j'étais en train de parler de toi, mais viens par là si tu veux, viens par là, montre-toi. Donc oui, Gabriel, donc qui était là, qui normalement aurait dû être juste là, et on a fait les essais techniques sur sa machine et malheureusement sa machine n'était pas assez puissante. Donc ne t'inquiète pas Gabriel, il y aura toujours, on est prêt à faire plein de numéros, là on est au numéro 4, mais on va aller je pense jusqu'au numéro 100 hein. Et après, on fera une pause, on prendra des vacances et on repartira sur une centaine de numéros. Donc voilà, tu auras largement le temps de faire le stream. Donc voilà. Alors, ça ne change pas au niveau de la structure, hein, Bastien. Hop, Bastien qui est toujours là. C'est bon, ça marche. Le switchage fonctionne, c'est magique. Donc la structure ne change pas. Je vais commencer par vous proposer trois news que j'ai sélectionnées sur Internet. Donc pour essayer de partager un petit peu les informations que l'on peut avoir sur. Oh, alors attendez, je vais couper le son du jeu pour l'instant, on verra ça après. Donc les news et après bien sûr on va jouer à un jeu et Bastien, je te passe la parole pour nous parler un petit peu de ce jeu que tu nous as sélectionné. Donc bonsoir, moi c'est Bastien, déjà une petite présentation. Je suis présentateur et streamer de l'émission Dying Stream avant la fin du monde. Et aujourd'hui je vais présenter et jouer avec Ludovic le jeu qui s'appelle Darwin Project. Alors le jeu Darwin Project c'est un mélange de Ark et de Fortnite que vous connaissez sûrement d'ailleurs parce que je pense que il y a une telle révolution sur Fortnite où tout le monde doit à peu près connaître maintenant. Ce jeu qui est un mélange de Ark et de Fortnite, qui est une survie de 10 personnages. Vous pouvez faire du 1v1 ou du 2v2v2 pour arriver jusqu'à 10. Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment super sympa comme jeu. On est bon, dans la grande mode des Battle Royale, hein, bien sûr. Et cette idée-là de mélanger donc, du Fortnite, qui est donc Battle Royale axé sur la baston, mais avec un très fort côté survie, en fait. Ils ont rajouté vraiment un concept de survie. Par exemple, dans ce jeu Darwin Project, vous avez la notion de température. C'est-à-dire que vous avez une petite jauge, vous allez voir ça au niveau du gameplay, où c'est la température de votre corps, et si la température est basse, vous commencez à perdre des points de vie, des PV, et il faut faire un feu et tout. Donc il y a vraiment cette notion de survie. L'autre chose aussi qui est pas mal, c'est que Fortnite, vous avez plein d'armes à votre disposition. Là, si je me trompe pas, il y a que deux armes, hein, c'est ça, hein. T'as l'arc et la hache. La hache, oui, voilà. Ouais. Donc la hache pour le corps à corps et l'arc pour des tirs plus loin, pour les toucher, lui enlever de la vie et le tuer. Ok, donc on va arrêter là le teasing et on va passer tout de suite aux news avec effectivement le petit jingle qui va bien. Et voilà, donc au niveau des news, je vous ai sélectionné trois news sur Internet. Donc première petite question, alors voilà, c'est une question que je te pose Bastien, mais je pense avoir déjà la réponse et je vous la pose aussi vous sur le chat. Est-ce que tu as une console de jeu ? Oui. Oui, alors t'es plutôt team Xbox, PS4 ? Je vais pas dire que j'ai jamais joué à l'Xbox, mais j'ai déjà joué à l'Xbox, mais ouais. J'ai la PS4, j'en ai une chez moi. Donc j'ai beaucoup plus de contacts avec une manette PS4 et la console
qu'avec une Xbox. Et enfin, je trouve qu'il y a beaucoup trop de... Enfin, je sais pas, je trouve que la manette Xbox, elle est vraiment trop grande. Ouais. Enfin, bref, je sais mieux. Donc, t'es plutôt de la team PS4. Mais j'aime bien quand même les nouveautés, genre que tu peux utiliser Xbox 3, les jeux 360 sur la Xbox One. Et ça, c'est bien. Ah oui, la rétrocompatibilité. Ouais, c'est vrai, voilà, que. C'est ça. Ouais, ça a été. Tu peux pas utiliser la PS3 sur la PS4. C'est ça, ça a été très critiqué, ça, à la sortie de la PS4, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de rétrocompatibilité. Alors, je te pose cette question, en fait, parce que lors d'une interview dans le Wall Street Journal, le directeur général de Sony, John Codera, a laissé entendre que, ça y est, la PS4 amorce son cycle de fin, la fin de son cycle de vie. Donc, ça y est, il a annoncé que pour lui la PS4 était sur la fin. Donc ça fait 5 ans que la PS4 est sortie, et donc après ces 5 ans de bons et loyaux services, et quand même avec 79 millions d'exemplaires vendus depuis son lancement, mm-hmm. donc il y en a déjà pas mal, bah en fait ils se sont rendus compte que les ventes diminuaient. Bon, après c'est bien normal, hein, parce qu'ils ont essayé de faire des sorties pour essayer de rebooster le truc. Donc tu as eu la sortie de la Slim, de la PS4 Slim en septembre 2016. Ouais, donc il y a essayé. Ouais. Ouais, après t'as eu la PS4 la Pro. Ouais, la Pro, voilà, exactement, qui était beaucoup plus grosse, avec des qualités 4K, il me semble, ouais. Qui était beaucoup plus performante que la PS4 normale et Slim. Ouais, ouais, donc ils ont sorti effectivement ces deux consoles-là pour essayer de rebooster un petit peu les ventes, mais en fait ils se sont aperçus que, bon, comme tu l'as dit, sur la Pro, effectivement, il y a la notion de 4K qui a été amorcée. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté la 4K. Maintenant, les joueurs, ils ne vont pas forcément changer de console, redébourser 400 €. Enfin, maintenant, c'est un petit peu moins, vu le changement de matériel qui est très, très faible. Donc là, ils ont vu que les chutes se sont un petit peu effondrées. Ta PS4, tu l'as depuis combien de temps à peu près ? Tu te rappelles ? Non, pas du tout. Je pense que ma PS4, je l'ai depuis... ça fait 5 ans qu'elle est sortie. Entre 4 et 3 ans. Donc tu l'as pris... quand même au début de, ouais, ces au années, début ouais. de la sortie. Ouais. De sa sortie. Alors, ben voilà. Donc du coup, tu sais maintenant que dans quelques années, il va falloir que tu le changes. Alors, on a l'impression que ce changement paraît rapide. Et on se dit, tiens, la PS4, ils veulent déjà la changer. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est sortie. Et en fait, je me suis amusé à regarder un petit peu la date des sorties des différentes consoles pour voir si c'était juste un sentiment de rapidité, ou si réellement ils ont sorti, enfin ils renouvellent la console plus rapidement qu'avant. Et en fait, non, c'est vraiment un sentiment, parce que la première version de la console, donc la PS1, est sortie en novembre 95, en 1995. Ah ouais. Tu étais né ou pas ? Non. Ah pétard, c'est là où je prends un coup de vieux. C'est là, moi, bien sûr que j'étais né, moi. Bien sûr que j'étais né. Et oui, on prend des petits coups de vieux comme ça. Donc 5 ans plus tard, donc en 2000, c'est la PlayStation 2 qui sort. Donc là, il y a 5 ans entre la 1 et la 2. Donc 6 ans après, il y a la PlayStation 3, donc en 2006, vous l'aurez compris. Et enfin, 7 ans plus tard, en 2013, sortie de la console que nous connaissons, la PS4. Donc on voit que, à la différence même de croire que les délais se raccourcissent, factuellement, lorsqu'on regarde vraiment les dates de sortie, non, les délais se rallongent d'un an à chaque fois. Pendant cette interview, John Codera a laisser entendre en fait que l'équipe a commencé à travailler, enfin ont déjà commencé à travailler sur la PS5, et ils se sont laissés 3 années pour préparer la prochaine étape. Donc là, on aurait 3 ans pour la nouvelle console, donc qui sortirait sûrement aux alentours de 2020-2021. Ah oui. Alors toi, au niveau de cette PS5, qu'est-ce que tu attendrais ? Quel est l'élément qui te ferait craquer, mis à part le fait qu'ils vont te forcer à changer vers la PS5, parce que les jeux ne sortiront plus sur la PS4, donc ça, c'est la bonne technique pour te faire changer de console, parce qu'ils virent les jeux sur... Mais bon, si on occulte cette obligation de changer, quel élément te plairait sur la PS5 et qui pourrait te dire « Ouais, je vais acheter la PS5 ». Les qualités graphiques. Ouais. Les
différents jeux, enfin les jeux forcément. Je pense que c'est aussi ça les joueurs qui pensent. S'il y a des exclus. S'il y a vraiment des jeux de ouf. Ouais. Que tout le monde dit waouh, c'est taré, faut vraiment avoir ce jeu à tout prix parce que si tu rates ça, t'es nul. Enfin, donc le système des exclus, c'est-à-dire d'avoir des jeux exclusifs que sur PS5. Ouais, voilà. Pas forcément, tout le monde joue. Autres, ouais, donc t'es obligé d'avoir une PS4. Enfin, s'il y a un jeu comme ça qui sort, je suis sûr. PlayStation ou Sony feront franchement vous devrez mieux avoir ça que vos jeux sur PS4 ouais, clairement. D'avant. Clairement, c'est la technique souvent utilisée pour, même si là ça s'est un petit peu résorbé ces temps-ci, les jeux sortaient sur les différentes plateformes, mais c'est effectivement la technique qui est souvent utilisée, c'est de bloquer un jeu exclusivement sur PS5 par exemple, enfin ou PS4, pour essayer d'attirer un maximum de joueurs. Alors qu'est-ce qu'on sait sur cette nouvelle console? Bah, en fait pas grand chose. Alors il y a sûrement une continuation de la course à la performance, ça c'est sûr, ils vont mettre des cartes graphiques, processeurs plus puissants. Alors ils parlent de la 4K, bien sûr, tu en as parlé sur la PS4 Pro, mais ils parlent aussi de la 8K. Pourrait y avoir la 8K. En Chine, ouais, il me semble que c'est déjà sorti. Ouais. Ouais, la 8K commence à se déployer, donc la 8K, pour faire un petit rappel, c'est 4320p. Donc on voit déjà donc entre le 720 le 1080p. Ouais, ça alors, en fait ça fait le double 4K, j'ai pas regardé, je sais pas combien est la ça 4K. Fait le double, non ben ça doit être ouais, ça doit être à chaque fois donc il suffit de diviser 4320p par deux et vous avez la 4K. Alors, on a pu noter dans cette fameuse interview donc du directeur de Sony qu'il y a deux orientations qu'il a indiquées. La première orientation, en fait, c'est qu'il a parlé de beaucoup plus de mobilité. Donc la mobilité, le concept de la Switch manifestement a fait des émules. Donc je vous rappelle, le principe de la Switch, c'est cette console qui peut être à la fois console de salon à côté de votre télévision pour jouer sur votre grand écran et éventuellement décrocher la console pour que ça devienne une console mobile et ensuite l'embarquer avec vous et continuer votre game. Donc manifestement c'est quelque chose qui séduirait Sony et ils sont en train de voir pourquoi pas s'orienter sur ce choix-là. Alors en sachant que il a parlé plutôt d'un système, d'une appli Android ou iOS en fait. Ça passerait peut-être plus par une appli que tu mettrais sur ton téléphone. Après, peut-être. Ça fait bizarre quoi, parce que t'imagines t'as pas un super téléphone qualité qui pourrait faire laguer la vidéo, c'est un peu con ça. C'est ça, c'est qu'après sous réserve de performance du téléphone, il y a effectivement plein de contraintes techniques, même après pour jouer directement avec l'écran tactile, c'est pas forcément pratique, donc il faudrait trouver un système de manette, mais on peut pas faire c'est pour ça que c'est juste des orientations. Là pour l'instant, il a parlé de mobilité, c'est pas sûr que la PS5 intègre la mobilité. L'autre piste qui a été annoncé par le directeur de Sony, c'est le cloud gaming. Cloud gaming, est-ce que tu sais bonne question, je te pose une colle. Je te piège. Il est méchant. En fait, le cloud gaming, l'idée, c'est une technologie qui consiste à externaliser le rendu du jeu sur des serveurs donc externes. Donc l'idée, c'est que ta console devient un simple terminal d'affichage. C'est-à-dire que la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle envoie les ordres de ta manette sur ce serveur distant. Et en face, tu as des gros serveurs qui calculent le rendu du jeu et qui te renvoient en fait la vidéo de ce rendu là. Donc l'avantage, c'est que tu peux avoir des jeux super beaux et super rapides parce que ben là en face tu as des bécanes et enfin des grosses bécanes qui peuvent calculer avec le maximum de résolution. Ben, pour faire un petit parallèle, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Shadow PC. Oui, bah oui. Voilà. Ouais. En fait, clairement, c'est le même principe que le Shadow PC. Shadow PC, donc c'est ça, mais à part que externalisé, tu as une machine qui est externalisée où tu peux faire du Word, du Excel et compagnie, et du jeu vidéo, bien sûr. Ben là, c'est le même principe, à part que c'est au niveau du jeu vidéo. Alors, il y a des freins quand même à cette technologie. Il y en a deux. Le premier, c'est un frein économique. Parce que forcément, le fait d'externaliser ce rendu sur des serveurs à distance, bah, ça veut dire que c'est Sony qui doit payer ses serveurs. C'est-à-dire qu'il doit mettre en place ses serveurs, cette infrastructure, et c'est des choses qui coûtent horriblement cher. Donc forcément, ils vont le répercuter sur l'abonnement PSN. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'un joueur serait prêt à débourser du 25 euros ou peut-être 50 euros par mois pour jouer ?
Bah après, pour les vrais gamers, je pense, pour avoir vraiment des jeux de qualité, oui, je pense. Mais après, les joueurs, on va dire, plus classiques, pas sûr qu'ils franchissent le pas. Et enfin, le deuxième problème, bah, c'est les temps de réponse. C'est-à-dire que pour avoir un bon jeu vidéo avec très peu de latence, il faut avoir une bonne connexion internet. Et j'en connais certains. J'en connais certains, par exemple, qui pourraient être un petit peu embêtés, n'est-ce pas, Bastien? Après, la fibre, nous, si vous m'écoutez, là, tu fais un appel. J'espère vous avez la fibre. Parce que sinon, je vous toi, tu montres, toi qui me regardes, qui nous regarde. On veut la fibre. C'est bien marrant d'habiter à les moutonnières, mais là. Oh, tu donnes ton adresse et tout. Donc, ça va être le gros problème, c'est qu'il faut avoir une méga connexion internet. Bon, après, voilà, c'est dans 3 ans. Peut-être que dans 3 ans, la fibre optique se sera déployée, etc. etc. Donc, j'ai pas parlé du VR. Est-ce que le VR va être repris ou pas? Bah, j'espère que le PSVR de la PlayStation 4 va être repris le même. Est-ce que toi, t'en as un? Toi, t'en as un. Ça coûte horriblement cher. Ouais. En fait, ça coûte quoi? Le double la PS4 maintenant, limite? Ouais, mais c'est une bonne... Là, je pense que ça serait vraiment... Et comme ça, si on... Enfoiré, patard. Ouais, bah oui, c'est... De pas rendre le PlayStation VR compatible avec la PS5, la PlayStation 5, ça serait... Franchement, ça serait vraiment pas sympa. Ça serait vraiment pas sympa parce que pour ceux, ben voilà, comme toi, qui ont acheté un VR, c'est se dire que dans 3 ans, ben t'es obligé de garder ta PS4 si tu veux utiliser ton VR. À mon avis, y a moyen que de rendre le truc compatible, quoi. Je pense pas, vu le prix du VR, ça serait vraiment pas cool. Et je pense que Sony aurait une publicité négative assez importante s'il faisait ce genre de choses. Donc voilà, je vais pas plus m'étaler parce que bah, déjà cette news est beaucoup trop longue et donc j'en parlerai peut-être au prochain numéro. T'as vu, il y a teasing de ouf. T'as vu ça, le teasing de ouf. Alors pour la deuxième news, je vais parler de Alexa, l'assistante vocale. Est-ce que tu te rappelles d'Alexa? Ouais, la fille flippante elle est flippante, juste, elle me fait peur, j'ai mal dormi. C'est ça, donc Alexa, je vous en avais parlé au deuxième numéro du dernier stream avant la fin du monde. Rappelez-vous, c'était l'assistante vocale d'Amazon qui se déclenchait de façon complètement aléatoire et qui émettait un rire satanique. En fait, cette fois-ci, Alexa a fait une nouvelle blague. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Ça s'est passé à Portland. Alors, on va l'appeler John. John était avec sa femme, et comment on va l'appeler sa femme, aide-moi, comment dans mon histoire, les John et Cindy. Allez, John et Cindy qui sont chez eux, tranquillou, comme ça. Ils sont en train de discuter dans leur salon et John reçoit un appel de Michael, son collègue, qui lui dit t'arrêtes de parler de ça avec ta femme. Et il lui donne des propos de sa conversation. Donc forcément, John, il est super surpris. Il dit, attends, tu m'espionnes, comment ça se fait, tu nous écoutes et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Michael a reçu un extrait de la conversation entre John et Cindy. Alors comment c'est possible? En fait, ce qui s'est passé, c'est que John et Cindy sont équipés de... Alors c'est bien sûr les faux prénoms, hein. Là je fais mon faux journaliste, c'est des faux prénoms. Hein. Ne venez pas me dire dans les commentaires, fake news, ce sont des faux prénoms. Effectivement, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais en tout cas l'histoire est vraie. Donc ils étaient en train de discuter tranquillement dans leur salon et à un moment donné peut-être qu'il a dit envoie un message à machin pour lui dire ça ça ça. Et le problème, c'est que le mot-clé envoie un message, Alexa le prend en compte, c'est un mot-clé de déclenchement d'Alexa. Donc Alexa s'est déclenchée, s'est réveillée et a dit il faut que j'envoie un message, et là elle a commencé à enregistrer la conversation. Et à un moment, quand il y a eu un blanc, la conversation, donc Alexa a considéré que la conversation, que le message était terminé. Et ensuite, Alexa a posé la question. Vous voulez que j'envoie le message à qui? Mais ils n'ont pas fait gaffe, en fait. Ils n'ont pas fait gaffe. Eux, ils étaient en train de discuter. Et donc, ils ont continué à discuter. Et là, où il y a eu un gros hasard, et c'est comme ça qu'Amazon se défend en disant, oui, c'est vraiment pas de chance, quoi. C'est que c'est quasiment improbable. Et là, ça s'est passé. C'est qu'en fait, dans la conversation qui a suivi la question d'Alexa, à qui j'envoie ce message, il y a eu
un truc a été dit qui correspondait à un contact, donc à ce fameux collègue, à Michael. Et ben du coup Alexa s'est exécuté, c'est-à-dire qu'il a envoyé l'extrait de la conversation de John et de Cindy à Michael. Ça fait quand même, tu te dis, c'est chaud quand même. Ça veut dire qu'en fait ils ont parlé de Michael. Alors ça c'est la question. Non, je sais pas s'ils parlaient de Michael, peut-être pas. Mais s'ils étaient en train de dire du mal de Michael, c'est un truc à foutre la merde dans le taf quoi. Le Michael il se pointe au taf. Mais qu'est-ce que t'as dit sur moi? Franchement, t'arrêtes de me baver dans le dos et tout. Je connais tous les enfants et ta famille. C'est ça. Private joke. Donc Alexa, ouais, et ça fait grand bruit parce que déjà Amazon et toutes les box connectées comme Google Home, ça commence un petit peu à attirer l'attention par rapport à l'espionnage. C'est-à-dire que on se dit, est-ce que ces box-là n'ont pas tendance à espionner en permanence les conversations? Et là, on pourrait le croire. Donc là, Amazon, comme je vous ai dit, s'est défendu en disant non, vraiment, c'est pas de chance. C'est comme qu'il y a Google, eu... hein. Je sais pas si t'as entendu ça. Un moment dans Google, t'as eu un moment où une personne a parlé à son PC où il était sur son bureau comme ça. Ouais. Il a parlé à son bureau pendant 10 minutes, 15 minutes, entre 15 et 30 minutes pour avoir une marge de. Et en fait, après il est allé sur Google. Ouais. Et avec tout ce qu'il a parlé, il y a eu toutes les pages de ce qu'il a parlé. Ouais. Donc il s'est dit c'est bizarre, il y a eu un truc, Google m'a espionné avec mon micro, etc. Et donc Google a répondu, ouais, que oui, il y avait bien un truc comme ça sur Google, mais en fait ça c'est une aide d'assistance Google, et en fait c'est ça qui rend Google complètement fou. Ouais, il est tombé sur un bug, il a dû le déclencher avec un OK Google ou un truc qui ressemblait, et ça a commencé à enregistrer. Il y a des youtubeurs du coup qui l'ont refait. Je sais plus si c'était un américain ou un français qui l'avait fait de base. Ouais. Donc, je vais pas dire les noms des youtubeurs qui l'ont fait, mais il y en a plein. Vous pouvez taper dans tous les cas ça sur Google facilement. Du coup, des youtubeurs qu'ils ont refait et qui marchaient. Donc ils ont refait, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de redonner les mots-clés pour essayer de déclencher, pour faire délirer. Ah mais avec n'importe quoi, tu parles de chaussures, de chaussures avec des traits blancs, avec du bleu sur les côtés, et là, tu retournes sur Google, bizarrement, qu'est-ce que t'as? Bah t'as une chaussure, avec des traits blancs. Ça te lance tes recherches. Bah, justement, tu parlais des youtubeurs qui se sont amusés avec les box connectées, enfin avec les assistantes virtuelles. Bah, il faut savoir qu'il y a une série, je ne sais pas si tu connais South Park. Ouais, je connais. Donc, ce dessin animé un petit peu trash, qui s'est un petit peu amusé dans un épisode de la saison 21 qui s'intitulait White People Renovating House. Ouais, t'as vu ça, l'accent anglais, c'est bon. Hey, te moque pas, ça va. Donc, on pourrait traduire l'homme blanc rénove sa maison. Et on peut entendre en fait Cartman, qui est un des héros de. Le principal, ouais. De South Park, et qui disait un truc, mais vraiment fort, qui disait. Alexa, ajoute des gros seins à ma liste de courses. Ah ouais. Et donc forcément, les spectateurs qui se retrouvent avec leur box Amazon juste à côté de leur télévision, se sont retrouvés avec des gros seins dans la liste des courses. Donc voilà, pas facile à justifier quand le conjoint ou la conjointe prend la liste de courses pour aller faire les courses justement. Et quelquefois dans le listing des choses à faire entre le fromage et les pêches, et elle voit gros seins au milieu de la liste de courses. Donc ouais, j'ai trouvé ça très très marrant. Donc c'est bien l'esprit de South Park. Voilà, et pour cette troisième news, je vais vous faire bien sûr la news Terminator. Vous la connaissez maintenant, la news sur la robotique et sur l'intelligence artificielle. Alors, petite question, Bastien, est-ce que tu connais le deep learning? Ouais. Bien sûr. Alors, vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que c'est? Le deep learning. C'était une question piège. Ouais, non, je connais pas, non.
Alors, le deep learning, en fait, c'est une technique qui est utilisée au niveau de, qui est utilisée pour entraîner les intelligences artificielles. En fait, le principe se rapproche un petit peu le principe sur le principe de notre cerveau avec le système de réseau de neurones. Donc, le principe de l'apprentissage, en fait, c'est la même chose que pour les humains. C'est-à-dire que on propose à l'entrée de cette de ce réseau de neurones, donc il y a des entrées et des sorties, et le système, le réseau de neurones, donc le système d'apprentissage doit faire une action et on donne une série de scénarios, on surveille les sorties et on dit ensuite à l'intelligence artificielle si en fonction du scénario, si le résultat est bien celui qui est attendu ou non. Et en fait, ce système de réseau de neurones, quand elle prend en compte si on lui dit oui ou non, elle réajuste les différentes neurones, différents, on va dire, commutateurs qu'il peut y avoir au niveau de neurones, de telle façon que si un scénario à peu près similaire se présente, que le système puisse donner une bonne réponse. Clairement, ce qui est souvent utilisé avec ce système de deep learning, ça va être le système de reconnaissance de caractère, par exemple. Tu as pu voir sur les tablettes, maintenant, tu as un système où tu peux écrire à la main des chiffres. Et en écrivant à la main des chiffres, tu as l'ordinateur qui est capable de te donner le vrai chiffre, en fait, de dire que tu as dessiné un 4, tu as dessiné un 8, etc. Mais en fait, ça fonctionne grâce à un système de deep learning où, en fait, ils font passer plein d'écritures manuscrites, par exemple du 7 ou du 8, des écritures manuscrites en entrée. Et l'intelligence artificielle en sortie dit ben, ça, c'est un 7, ça, c'est un 8, elle le dit. Et si elle se trompe, tu dis non, non, là, tu t'es trompé, je t'ai mis un 7 et tu m'as dit que c'était un 8, c'était pas bon. Et comme ça, elle réajuste pour pouvoir être de plus en plus intelligente. C'est un petit peu le même fonctionnement que nous, hein. Si tu es chez toi dans ton salon, par exemple, tu passes un peu près de ta table de salon, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu prends ton pied dans ce putain de pied de table basse. Ouais, les orteils. Ouais. Voilà, les orteils, tu t'éclates l'orteil, bah, voilà. La table, elle n'existe plus. Hein. Alors ça, c'est une variante, effectivement, c'est une variante de l'intelligence artificielle que j'avais pas prévue. Alors, tu peux péter la table basse. Ça, c'est un premier scénario. Non, attends, je la pète pas. Alors, tu peux avoir du respect. Ouais, vas-y. Non, tu prends la table, tu la mets dans ta voiture. Dans ta voiture. Bon, ça dépend, tu vois, parce qu'il y avait une table, quoi. Une table, ça fait ça. Ouais, une table basse. Ouais, là, on est dans le salon, effectivement. Bah laisse tomber, hein. La table, je la mets dans une voiture, je la mets à déchetterie et je l'éclate. Alors, tenez, c'est un cadeau. Alors c'est un scénario que j'avais pas prévu effectivement. Alors normalement, dans une intelligence artificielle, l'idée c'est de dire je suis passé un peu près de la table, je me suis cogné l'orteil sur le pied de la table, donc je dois m'éloigner de la table. Et c'est comme ça que après tu analyses la meilleure trajectoire pour éviter... Enfin, normalement, c'est le fonctionnement que tu as. Mais le système, effectivement, le système de péter la table, c'est une autre solution. Il faut avoir quand même du respect pour la table, quoi. Mais c'est surtout les tables IKEA, c'est pas possible. Non, mais IKEA, sérieusement. Attends, c'est quoi vos pieds? Les pieds, c'est du béton. Attends, tu peux pas la décaler. Faites des pierres mousse. Non, mais des pierres oui, mousse. Voilà. Mettez, je sais pas, aux pierres. Vous faites des pierres béton, ça me dérange pas. Mais moi, je suis obligée de protéger, je sais pas, laisse tomber. Mais... chaussures. Enfin, mais je sais pas ce que j'ai, des chaussettes. Les chaussettes, ils font ça d'épaisseur pour éviter que je me prends votre table. Je peux dire, votre table, ils sont horribles. Arrêtez vos tables. Non. L'architecte. Non. Voilà le conseil déco de Bastien. Donc voilà le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et là où c'est vraiment, donc j'en viens, là c'était juste une introduction pour bien préciser ce qu'est le deep learning. Et là j'en viens à l'ironie de la situation parce que je vais vous parler d'une application qui aide à l'apprentissage. Alors je te pose la question, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'application ChatterBaby? Non. Je m'en suis douté. Normal, parce qu'en plus, pour l'instant, t'es pas du tout concerné parce que c'est une application qui est pour les jeunes parents. Ouais. Et d'après toi, alors lorsque je te dis ChatterBaby, ça servirait à quoi? C'est un groupe de parents qui doivent se parler entre eux de leurs problèmes qu'ils ont avec leur enfant. Ah, t'es pas loin. Alors, c'est juste pour une maman. C'est une application que la maman a sur son téléphone. Et qu'est-ce qu'elle peut faire avec cette application? ChatterBaby. Okay,
Est-ce que c'est pas pour suivre si on parle toujours d'intelligence artificielle ou pas? Oui, tout à fait. Alors dans okay. le chat, n'hésitez pas. Hein. Et vous, je vous pose la question aussi dans le chat. Alors lorsque je vous parle, alors ne trichez pas, s'il vous plaît, dans le chat, n'allez pas sur Google taper Chatter Baby parce que je vous vois venir, je sais comment vous êtes. Vous allez googliser Chatter Baby. Bon, vu mon accent, ça m'étonnerait que vous arriviez à l'orthographier correctement et vous allez m'avoir. Mais voilà, si vous jouez le jeu, dites-nous dans le chat à quoi pour... Alors, baby, déjà, ça parle des bébés. Mm-hmm, donc ça, tu l'avais identifié. Et, bon, allez, je vais vous donner la réponse. Donc, c'est une application que tu peux télécharger gratuitement. Alors, dans quelques années, tu vas pouvoir le télécharger parce que tu vas être concerné. C'est sur Android et iOS. En plus, là, elle va être vachement bien d'ici quelques années. Et en fait, ça permet de traduire les pleurs de bébés. Oh, mais c'est quoi ce truc dedans? Excellent, tu veux dire. C'est comme les tabliquets encore. Encore une invention du diable. Oui, alors c'est une application effectivement qui a été développée par l'université de Californie à Los Angeles. Ok. Et en fait, c'est une application. Donc t'as ton gamin qui se met à chialer. Tu sais pas pourquoi il chiale. Tu lui mets une baffe. Voilà. Oh, non, ça il faut pas. Ça c'est moi. Tu oui, hein, quand même. Oui, moi, oui. Tu t'acharnes sur la table, tu pètes la table basse parce que t'en as marre. Voilà, après, donc... t'as ton bébé qui pleure. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le bébé, tu le mets aussi la déchetterie. Tu le mets à la déchetterie. Oh non, trop de violence. Donc, n'écoutez pas les conseils de Bastien. Franchement, écoutez. Ne mettez pas... Ok, Ikea, ok, on peut, mais bon, les bébés. Bon, les bébés, on va pas faire ça, on va pas les mettre dans... Non, au pire, mettez-les à la garderie, H24. Vous disiez, je vous le donne. Voilà, je vous paye. Ah, vous en occupez, franchement. Je vais préparer un jingle, les conseils de Bastien. Tu sais, un truc avec une petite musique, avec ta petite tête qui tourne comme ça, en détouré. Les conseils à ne pas suivre de Bastien. Ah, y a... Non, franchement, il faut toujours suivre mes conseils, franchement. Ludo, bon, je le comprends, des fois, il peut dire c'est pas bien. C'est le sage de l'émission, c'est ça. Attendez, la bouche sort... Enfin, non. La bouche sort, oui. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et ça, je sais que vous le savez, parce que tout le monde le sait. Je suis quoi, moi? Je suis un enfant, adolescent. Enfin, adolescent, ouais, ok. Bon, okay, bon bref. Bref. Voilà, donc, en point, faut suivre mes conseils. Ludo, des fois, bon, Ludo, il est vraiment... faut qu'il soit protégé, parce que sinon... faut qu'il... Bon. Pour vous éviter de mettre votre gamin à la déchetterie, prenez plutôt cette application parce qu'elle est gratuite. Alors, donc elle a été développée donc, par l'université de Californie. Et en fait, donc le bébé se met à pleurer. Vous activez l'application sur votre smartphone. Et en fait, l'application peut... Salut Vox. Donc Vox, je suis en train de parler d'une super application qui est faite pour les jeunes parents. Alors, c'est pas encore ton cas, mais... Voilà, garde bien cette application donc, qui s'appelle Chatter Baby parce que lorsque tu seras père, je pense que tu auras besoin de cette application. Oui, parce que c'est une déchetterie. Voilà, parce que... Bébé à la déchetterie, c'est tout. Voilà, parce que Bastien, lorsque le bébé pleure, Bastien a proposé de mettre le bébé à la déchetterie ou bien d'abord... mettre une baffe. Voilà, donc à ne pas suivre, bien sûr. Ne pas suivre ce conseil-là. Et là, en fait, il y a une application donc, qui s'appelle Chatter Baby qui a été développée et qui permet de traduire les pleurs de bébé. En fait, pour l'instant, ils sont capables de détecter trois types de pleurs. Donc, si le bébé a faim, ouais. Si le bébé est de mauvaise humeur, ouais. Ou si le bébé, et j'ai pas le troisième, donc faim, mauvaise humeur, ou s'il fait un caprice, le sale gosse. Le sale gosse, père ou impair. Je crois que c'était une blague. Alors, j'ai pas compris. T'as dû faire un jeu de mots. Genre père. Père, oui, père. Non, P-E-R-E. Père, ouais, père ouais. Maman, père. C'est ça, quoi. J'ai pas compris. Mais oui, père, ok. Donc, père, papa, quoi. Donc voilà, c'est une super application. Donc voilà, tu mets le téléphone à ton bébé devant le téléphone. Ouais, alors application Tamagotchi, pas non, non, ça permet pas de gérer ton bébé. C'est plus toi qui permet de mieux comprendre ton bébé. Donc en fait, c'est une application. Ouais, je vais avoir du mal jusqu'à la fin de mon explication. Alors en fait, je reprends. Donc
T'as un bébé, mais qui est chiant. Il est chiant, il arrête pas de pleurer. Et tu sais jamais, des fois il pleure parce que il a faim, des fois c'est parce que la couche est pleine, et des fois tu sais pas. Mais en fait là, c'est pour ça que les scientifiques se sont penchés sur ce problème là qui... Et je vois que vous n'avez pas été peur, moi c'est le cas. Et ouais, ça va être un petit peu... Après effectivement ça pourrait être indexé sur les Sims, effectivement. Mais là non, c'est dans la vive. Réel, tu as une application sur ton smartphone et dès que ton bébé pleure, tu actives l'application, tu lui fais écouter le pleur du bébé et là, grâce à une intelligence artificielle, donc en fait, ils ont collecté énormément de pleurs, en fait, de pleurs de bébé, où les parents ont dit après ce que eux pensaient être au niveau du pleur. Par exemple, le bébé avait faim, il pleurait comme ça. Le bébé avait une gastro, il pleurait comme ça. Ou le bébé faisait un gros caprice, il pleurait comme ça. Donc ça a été mis dans la base de données. Ouais. Donc, et c'est pour ça que j'ai parlé du deep learning, parce que c'est une intelligence artificielle qui a appris via le système de deep learning. Et après, grâce à ça, quand tu mets ton smartphone devant un autre bébé, bah en fait, lorsqu'il pleure, ton smartphone peut te dire « Bon, ben là, il pleure comme ça, ça ressemble un petit peu à ce pleur-là et on m'a dit que c'était un pleur qui correspondait à la faim. Bah, » ton bébé a faim. Et comme ça, tu sais que ton bébé a faim. Alors même si tu viens de lui donner 15 biberons d'affilée, tu lui redonneras un biberon parce que c'est ton smartphone qui l'a dit. Il faut écouter le smartphone qui dit. Donc ça, c'est le piège, justement. Oui, bon, des fois... Non, mais voilà, c'est le piège sur les faux positifs. Comment ça va se passer? Donc ils peuvent savoir si le bébé a faim. Alors où c'est pas très rassurant, c'est que les scientifiques en fait ont dit, je cite, alors faire la différence entre les pleurs liés à la faim et se traduisant de la mauvaise humeur est difficile. En revanche, nous avons pu identifier les pleurs de douleur avec une précision de 90%. C'est-à-dire que quand le bébé pleure de douleur, à 90%, ton téléphone est capable de dire c'est il a mal quelque part. Alors moi, ce qui me rassure pas, c'est comment ils ont fait pour faire apprendre à l'intelligence artificielle. Ils sont allés, je pense, à coup de baffe, justement. Oui. Je pense que Bastien, ils ont suivi ton conseil. C'est bien. Et ils ont mis des baffes aux gamins. Il faut pas le faire, hein, mais là, franchement, non, à 90%. Mais vraiment, quand je dis ça, bien sûr, me prenez pas pour un futur parent irresponsable de son enfant. Franchement, bon, maintenant, si j'ai un enfant, bon, déjà, j'ai pas les moyens. Et t'es jeune, t'es très jeune aussi. Ne pense pas encore, c'est pas le moment. Et déjà, ça me saoulerait un peu d'avoir un enfant maintenant, parce qu'avec les études. Franchement, c'est clair. Bon, j'emmène mon fils à l'école. C'est clair. Avec toi. Ben, ça arrive malheureusement. Enfin, bref, ça c'est. Ouais, ça arrive, ouais. C'est un autre débat. Alors, Vox qui nous dit au pire, on va faire comme dans Detroit Become Humans, où on va demander à une androïde de se charger de ça. Effectivement, après, ces recherches-là, mais tu dis ça, Vox, en rigolant, mais t'es pas si loin que ça de la vérité. Parce que là, donc, c'est l'Université de Californie de Los Angeles qui fait des recherches à la base. Pour salut Mulazik. Donc là, on est toujours à la rubrique news. T'as pas raté le gameplay. On était en train de parler d'une application que tu peux trouver sur Android qui s'appelle Chatter Baby, qui permet de traduire les pleurs de bébé. Et donc oui, Vox, tu disais ça en rigolant, mais à la base, l'université travaillait très sérieusement sur cette application-là pour détecter les pleurs de bébé. Et quand ils ont vu que ils avaient bien avancé, ils ont décidé de faire cette application. Mais clairement, la suite de ces recherches là, c'est clairement ce que tu es en train de dire. L'idée, c'est d'intégrer ça pourquoi pas dans une nounou Android, et justement pour que la nounou Android puisse aller chercher le petit pot, puisse aller consoler le bébé, il faut qu'elle soit capable de détecter les pleurs et qu'elle puisse réagir en conséquence. Là effectivement, et c'est très probablement ce qui est traité dans le jeu Detroit Become Humans, tu me diras si c'est le cas. Là, c'est effectivement l'une des facettes de l'intelligence artificielle et de la robotique, c'est une déshumanisation des relations. Si on arrive effectivement à cet extrême où on arrive à vendre des androïdes nounous pour s'occuper des bébés, c'est
c'est chaud quand même. C'est chaud de dire qu'il y a certaines personnes qui pourraient, pour avoir plus de temps, qui pourraient confier l'éducation et s'occuper des bébés par un robot. Enfin, j'espère qu'on n'arrivera jamais là. Enfin, franchement, là, il y aura un souci. Salut Timéo, rebonjour. Donc voilà pour cette application. Alors après, il faut voir qu'au niveau de l'application, il y a deux choses qui peuvent être aussi ces applications peuvent être réellement utiles. Par exemple, pour les jeunes mamans qui sont malentendantes, ça peut être aussi un système d'avoir un système comme ça de détection qui te permet d'avoir ton téléphone qui te dit si c'est plutôt des pleurs de faim ou des pleurs de douleur. Donc ça peut être un côté pratique. L'autre chose aussi, c'est que, encore une fois, vous n'avez pas eu de premier enfant, mais quand on a son premier enfant, on n'a pas l'expérience, on découvre un petit peu sur le tas, c'est normal, on est tout de suite lancé dans le grand bain avec l'arrivée et on a beau se préparer, c'est toujours une grande épreuve, on va dire. Et il y a des papas et des mamans qui où ça se passe plutôt bien, mais il y a certaines mamans qui sont plutôt anxieuses et qui sont complètement stressées. Et le fait d'avoir comme ça une application qui puisse te rassurer en disant pour les caprices surtout, le téléphone qui dit non, là t'inquiète pas, c'est un pleur de caprice, ton bébé va très bien, parce que souvent on pense au pire, donc dès qu'on voit le bébé pleurer, on l'amène aux urgences, on va à droite à gauche. Ton bébé fait tu comprends pas là, tu fais donc ça c'est le souci. Donc pour les mamans anxieuses, le fait d'avoir comme ça un smartphone, ça peut aider. Donc là Vox qui dit, quoique une éducation par un robot c'est peut-être mieux que les conneries que les humains peuvent nous mettre dans le crâne depuis longtemps. Oui, effectivement, ça c'est un vaste débat c'est un débat qui est vachement intéressant effectivement sur l'intelligence artificielle. On en a déjà parlé plusieurs fois lors de ces fameuses rubriques Terminator qui parlent de l'intelligence artificielle, comment va s'orienter cette intelligence et dans quelle piste on pourrait aller, dans une piste plutôt bénéfique ou, comme tu le dis, le fait d'avoir des robots qui eux sont extrêmement rationnels, pourrait éventuellement nous éviter certains biais que l'on peut avoir. Ou bien éventuellement partir sur des choses qui peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, complètement déshumaniser les rapports que l'on peut avoir entre nous. Mulasi qui nous dit, après il faut que les robots soient programmés du bon côté de la force. Absolument, absolument. Mais ça passe donc par le deep learning, par cette notion d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est bien normal, le robot ira dans le sens qu'on veut bien lui donner par rapport à ce système d'apprentissage. Ce qui veut dire que clairement, si les scénarios qui sont mis en entrée pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle vont dans le bon sens, ton robot ira forcément dans le bon côté de la force, comme tu le dis si bien. Par contre, effectivement, si on met à l'entrée du robot que de la merde et que des philosophies débiles, ton robot va les retransmettre bêtement. Donc voilà pour ces news. C'était bien. On a appris plein de choses. Je pensais pas que Chatterbaby allait tant durer aussi longtemps. Je dis, c'est bon, ça va faire une petite news de 2 minutes, ça va aller vite. Mais c'est bien. C'est au moins, on a développé. Après, la première tentative de deep learning public a créé un robot néo-nazi. Oui, absolument. Mulasi qui nous dit, c'est Microsoft qui avait mis ça, qui avait créé en fait une intelligence artificielle, donc avec un système d'apprentissage, et ils avaient eu la bonne idée, Microsoft, de connecter cette intelligence artificielle à Twitter. C'est-à-dire que tu pouvais tweeter des choses à l'intelligence artificielle et elle te faisait des réponses. Le problème, c'est qu'il y a des petits comiques, on va dire, qui ont bien compris le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et effectivement, ils n'ont pas arrêté de leur donner des propos extrêmement racistes, néo-nazis. Et en fait, je crois qu'au bout de quelques heures à peine, Microsoft a été obligé de déconnecter le robot de Twitter. C'était une enflure comme pas possible. Elle arrêtait pas dès que tu lui parlais, mais c'était le pire troll que tu pouvais trouver sur Twitter. C'était Satan, quoi. Ah oui, mais vraiment, vraiment. Et du coup, imagine, tu parles en robot, elle dit,
je suis Hitler. Alors voilà, bon, bon ça va, on n'est pas monétisé, donc on peut y aller, on n'a pas encore les 1000. Abonnez-vous au fait. Hein. Bah, tiens, le bot vient de nous le dire. Donc on n'est pas monétisé, après il faudra faire gaffe parce que là, c'est le genre de choses. Parce que chose, là, si, tu vois, si je dis bon, bah là, je me suis Hitler quoi. Donc, on va pas perdre de... Ah, attendez. Vox qui nous dit la fin du monde approche ou pas. Ou pas, effectivement. Hop, alors, il nous montre... Qu'est-ce que tu nous montres? Ça, on va faire comme les YouTubeuses beauté. Comment ils font, là? Ils font comme ça. Alors ça, vous voyez ça? Et bah ça, c'est précieux, ça. Et ça, précieux. C'est celui-là qui gagnera la partie de Darwin Project, qui gagnera 1 centime. En fait, c'est notre YouTube money, on peut pas la... Oui, on a trouvé une pièce de... Non, on l'a pas trouvée. Non, il faut pas le dire. Non, il faut pas le dire. On s'est cotisé. Voilà, en fait, voilà, c'est notre YouTube money. On a fait un prêt à la banque. Ils nous ont dit, bon, on vous fait un petit cadeau parce que vous êtes à la quatrième. Donc, quand on sera à la huitième, on aura un autre centime. Donc, ça fera 2 centimes. Et là, au moins, le perdant de cette émission aura un autre centime. Voilà, donc je sais pas, voilà, donc il y a un enjeu parce que vous allez voir là, on va passer justement au gameplay. Donc Mulazi qui nous dit on aime bien les nazis, alors ça, ce propos n'engage que toi. Que toi qui nous regardes, nous ne cautionnons pas bien sûr ce type de propos. Donc voilà, on va passer au gameplay donc de Darwin Project avec le défi que celui-là, voilà. On va faire une première partie. Le premier qui gagne, et ben il gagne 1 centime. Je le mets au milieu de la table. Là, on est d'accord, Ludo? Attention, oui, bien sûr. On ok, l'a, bon, allez, c'est parti. On l'a presque trouvé. Allez, jingle. Voilà, donc le gameplay sur Darwin Project. Donc avec effectivement 1 centime mis en jeu. Ah ouais. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, Ulazik. Je rigole bien sûr que c'était une boutade. Des Vox qui nous dit il collecte les samedis les centimes, attrapez-les tous. Effectivement, là on a gagné un centime, on a cotisé 1 centime. Voilà. On va le mettre en jeu parce que Darwin Project. Donc, alors refais la petite explication du jeu. Ok, alors je vais réexpliquer. Par contre, je vais relever un peu mon micro. Donc voilà, bonjour à tous. Alors Timéo qui nous dit c'est moi qui vais gagner. Qui gagnera alors qui gagnera les 1 centime. Ouais, c'est français. Hein. Ouais. C'est... non, c'est français, oui. Alors il va falloir que tu télécharges le jeu tout de suite sur l'ordinateur pour pouvoir jouer avec nous. Donc voilà, je te laisse la parole. Donc on parlait de 2 centimes, voilà. Donc, ce centime qui est mis en valeur pour ce jeu de Darwin Project, voilà, vous voyez bien, c'est pas du fake. Hein. Oh mon dieu, j'ai pranké Ludo. Mulazik qui nous dit qu'il gagnerait. Ouais, j'avais l'impression que c'était plus cette tournure-là. Je te rejoindrai. Avec la chaleur, je chauffe un peu, mais je te rejoins là-dessus. Donc voilà, et le jeu qu'on va jouer aujourd'hui, que je vais vous faire une représentation que j'avais pris au début de l'émission. Donc, on va jouer à Darwin Project, qui est tu l'as lancé, le jeu oui. Ouais, nickel, je vais pouvoir l'afficher. Du coup, qu'on est sur le jeu Darwin Project que vous voyez là, maintenant, sur l'écran, avec ce menu de qualité. Alors, ce jeu est un mélange de Ark et de Fortnite, qui est un survival de 10 personnes. Donc là, pour cette émission, on va faire du 1v1. Avec Ludo. Alors on va commencer par le 1v1, mais après tu vas expliquer ce que l'on peut faire si Est-ce vous avez le jeu faire, voilà. sur si votre PC. Si vous avez le jeu et que vous êtes plusieurs, quand on dit plusieurs, bien sûr c'est 5 personnes. Mais je sais pas à partir de quand. Non, je crois qu'on va pouvoir lancer à partir de 3, 4, 5. Enfin, s'il y a une personne qui veut nous rejoindre, pas de problème, on peut faire du 1v1. On va... Bref. Ouais, c'est un jeu qui est gratuit sur Steam, donc lancez tout de suite le téléchargement si vous voulez jouer avec nous. N'est-ce pas, Mulazik? Rappelle-toi ouais. la dernière fois. Vous avez jusqu'à. Alors là, exactement, il est 16h50. Et malheureusement, le live va se terminer à 18h. Donc ouais. Vous avez jusqu'à 18h, quoi, avant qu'on termine. Voilà, donc c'est un jeu Mulazik qui dit des os, effectivement. Voilà, donc c'est un jeu qui est gratuit. Vous le trouverez sur Steam, tout simplement. Vous allez sur Steam, vous allez sur le moteur de recherche des jeux, vous tapez Darwin Project, vous tombez dessus. Et là, elle nous dit, là, je peux pas. Bon, tant pis. Ben, tu vas regarder le gameplay et franchement, c'est un jeu assez sympathique.
Et voilà, donc ce jeu que vous pouvez retrouver sur Steam gratuitement, vous pouvez télécharger en 30 minutes à peu près si vous avez une bonne connexion. Et voilà. Alors, ben je vais faire le pitch du jeu. Ouais, parce que je sais pas si tu as regardé le. En fait, le pitch du jeu, c'est assez. Donc, le Darwin Project, en fait, c'est un projet de télé-réalité. L'idée, c'est que dans le futur, il y a une télé-réalité qui est créée. Et le but de cette télé-réalité, c'est de mettre des prisonniers. En fait, des prisonniers dans un espace. Ah oui, c'est pas un peu comme l'émission. Bah, il y a Running Game, je crois, avec Schwarzy, un vieux film, non, mais ça, c'est le vieux ça, qui parle. Hunger Games. Voilà, oui, c'est, bah c'est, ça, Hunger c'est, Games. C'est un peu le principe d'Hunger Games, à part qu'ils sont pas prisonniers. Enfin, ouais, c'est. Si, ils sont prisonniers. Ils sont autour d'un. Oui, mais. Oui, mais en fait. Ils sont pas prisonniers, ils sont cantonnés dans des banlieues, mais techniquement ils sont pas forcément prisonniers. Bah en fait, il y en a enfin si, il me semble oui que Vox qui dit le pitch genre la brioche qu'on mange et qui est gracieusement offert par le Technocom. Ouais, on peut dire non, le pitch le petit résumé de l'histoire. Oui, tu disais. Donc voilà, qu'est-ce que je parlais déjà? Oui, donc ouais, c'est un petit peu comme un Hunger Game, mais là c'est vraiment des prisonniers, c'est-à-dire qu'il y a pas cette notion comme dans Hunger Game où tu as les riches qui vivent dans une cité et les pauvres qui sont envoyés à l'abattoir. Non, là c'est vraiment tout le monde vit tous ensemble entre guillemets, ouais. Mais les prisonniers comme nos prisonniers actuellement, ouais. Seraient envoyés dans le jeu, et le deal c'est soit tu meurs dans le jeu ou soit tu gagnes ta liberté. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est un jeu pour gagner sa liberté. Et donc en fait là le dernier qui survit, bah il gagne je sais plus. Enfin, vous gagnez la partie, quoi. En fait, c'est Hunger Games, c'est pareil, sur un petit déclic. Voilà, c'est pour c'est ça. La même chose. C'est pour ça que si je remets le jeu, alors je vérifie juste le son, parce qu'à chaque fois que je bascule, je vais être sûr. Ouais, c'est bon. C'est bon. Non, je vérifie parce que la dernière fois on avait eu des petits bugs de son quand je basculais sur la capture, là c'est bon. Et c'est pour ça que là lorsque vous regardez sur la capture, vous voyez que vous avez un director deck. Donc director c'est réalisateur en français. Parce qu'en fait, donc on est vraiment dans un jeu de télé-réalité. C'est-à-dire que chaque joueur, donc nous, on va interpréter des joueurs qui se trouvent dans cette fameuse télé-réalité. Et le but ça va être de survivre, et si on survit, on gagne notre liberté. Et de temps en temps, alors nous on va pas pouvoir le faire malheureusement, parce que comme vous le voyez, il faut être niveau 10 pour pouvoir débloquer ce système. C'est un peu compliqué, ouais, quand même, à monter les niveaux, faut bien tryhard. Voilà, et dès que vous allez être dès que vous allez être niveau 10, vous aurez la possibilité, lorsque vous jouez avec vos potes, d'être le réalisateur de cette télé-réalité. C'est-à-dire que vos potes vont jouer, et vous allez pouvoir avoir une caméra spectateur, donc vous allez pouvoir vous balader dans le jeu et suivre n'importe quel joueur. Et en fait, comme un réalisateur, donc comme la production, on va dire, dans Secret Story, la production qui vient mettre leur petit grain de sel, tu peux faire la même chose, c'est-à-dire tu peux dire tu peux dire que toi tu joues bien, je t'offre quelque chose, attention il y a un personnage qui arrive et tout. C'est ça, alors Mulazy qui dit c'est un peu comme dans le roman Acide Sulfurique. Alors je connais pas le roman, j'irai voir parce que j'aime bien les romans de SF, de science-fiction, donc si c'est le même principe, ouais, j'irai jeter un petit coup d'œil, j'irai googliser tout ça. Donc voilà, donc le show director peut influencer le jeu, et comme c'est un battle royale, il y a le même principe que l'on retrouve sur les PUBG, les Fortnite, c'est-à-dire qu'il y a un système de réduction de zone. La zone se réduit petit à petit, à part que vous allez voir c'est un peu différent du Fortnite où... En fait là c'est plusieurs zones en hexagone. Ouais. Et en fait à un moment un directeur ou soit le bot va fermer automatiquement une zone, vous avez une minute pour sortir de la zone pour aller, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, environ six zones. On va dire ça comme ça. Je crois qu'il y en a, ouais, il y en a à peu près 6, oui. 6, ouais. Une au centre et tout autour après. Ouais, en 5 autour et une au centre. Donc voilà, et vous avez petit à petit, les zones vont se resserrer, évidemment, pour vous battre. Et il y a un petit truc qui est sympa pour retrouver les joueurs plus facilement. Vous avez une maison, vous avez plusieurs maisons, où dans les maisons, vous avez les cartes. Des cartes où vous avez votre emplacement à vous, avec toute la carte, avec les zones fermées, etc. Et la position du joueur inverse.
Ouais, les adversaires, on les voit sur des petites cartes à l'intérieur des maisons, ce qui évite effectivement les campeurs, les gens qui pourraient camper, qui pourraient... Bah après, il y a des adversaires qui peuvent aller directement sur les personnes. Ouais. Ok, bon, ben on va jouer. Donc c'est pour ça que vous pouvez nous rejoindre très facilement, parce que vous allez voir le jeu, et vous le voyez en bas à gauche. En fait, c'est un jeu qui a vraiment été conçu... J'attends ton code. Pour le streaming. Ouais, ça marche, je vais envoyer la partie. Et donc, bon, là, on l'a pas paramétré, parce que on en refera, si ça vous plaît, on l'en refera. Et cette fois-ci, on mettra en place le système de vote. Ouais. Parce que vous pouvez même, vous, en tant que viewer, en allant sur Twitch, par contre, je vois que vous êtes tous sur YouTube, donc là, il faudrait aller sur Twitch, c'est pour ça qu'en plus on s'est pas embêté à le paramétrer. Oui, Vox qui dit camper, arrêtez de camper, bien sûr qu'il faut pas camper. Arrête de camper. Donc les personnes peuvent j'ai perdu. Oui, les viewers peuvent avoir une influence sur le jeu. Ok, donc je vais lancer la petite game. Et sinon, vous pouvez aussi. Alors, je vais juste. Je vous ai dû le voir, mais est-ce que vous vous rappelez du Mighty de la dernière fois que je buvais assez souvent? Bah là, c'est pas du Mighty que j'ai apporté. Il fait son placement de produit encore. Et bah, c'est du 7-Up, qui est du saveur Mojito, qui est bon, bien sûr, je vais pas boire... Attends, j'étais même pas sûr, toi, tu vois. Je voulais même pas, je voulais tellement pas que tu fasses... Bon, non, en fait, vous l'avez vu, deux secondes, voilà. Bon, 7-Up, on peut s'arranger. Sinon, voilà, bon, on peut passer au jeu maintenant. Ouais, alors, je te donne le code. Ouh loulou. D'ailleurs, j'en bois un peu. Ok. Alors, oui, donc comme vous allez voir, en fait, hop, je bascule sur mon écran. Bim, bim. Donc le système est plutôt bien fait parce que ils mettent en place. Donc là, je vais créer un serveur solo. Donc là, ça va créer... Voilà, donc c'est parti, le chargement, je vous rebascule sur moi. Donc le système, c'est le gosse, il a déjà fait un placement de produit. Ouais, t'as vu ça? Il arrête pas. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas encore, Bastien n'a pas encore compris le concept du placement de produit. Il place les produits, mais en fait, on n'a aucun accord avec la marque, on n'a pas les sous. Donc c'est bien pour la marque, ça leur fait la pub. Non mais je sais, au pire. On peut toujours s'arranger, tu sais. Ah oui, mais c'est trop tard. Eux, au contraire, ils vont se dire, ça sert à rien de... Non mais... Après, si vous voulez passer dans voilà. Différents après, trucs. On arrête. Hein. La dès... fois... Ah non, non, on n'arrête pas. Non, mais dès qu'on fois. Est célèbre, on arrête de faire des placements de produits gratos. Ok, hein. Oui. Non, mais la prochaine fois, vous voulez passer, je vous jure, c'est moi qu'il faut payer. Ah, je m'en fous. Alors, donc là, vous voyez que c'est bien fait parce que donc là, j'ai affiché mon écran, j'ai créé la partie. Et vous voyez en haut, il y a un code là, juste en haut. Hop, voilà, ici. Ouais, donc là-haut, vous avez un code. Et il suffit, lorsque vous avez le jeu sur votre PC, vous dites que vous voulez rejoindre une partie, vous mettez le code qui se trouve là-haut, et automatiquement, hop, vous apparaissez sur la partie. Donc là, Bastien va faire le nécessaire, et après le chargement, vous allez voir passer Bastien. C'était, hein, tu m'as dit, pour mute, hop, voilà, pour éviter qu'on entende en plusieurs exemplaires. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment bien fait, hein, parce qu'ils ont fait un système qui permet comme ça aux streamers, plutôt que de s'embêter, se faire chier à faire du copier-coller d'un lien ou d'une adresse, même les adresses IP, de donner son adresse IP publique au risque de se faire des DOS, tout ça. Non, non, là, ils ont mis en place un système qu'on peut afficher à l'écran, donc vous le voyez là, et après, bah, vous rejoignez directement la partie. Donc là, on va attendre Bastien. Ah, j'ai fini la bouteille. Qui est en train de se restaurer hydriquement. Ça charge chez toi? Ouais. Tu sais, on est encore chez moi là, donc. Mais vraiment, la connexion chez moi. On va faire un peu d'ASMR pour l'instant. Merci le bot. C'est vrai, ça, ce que Naibot dit. Ah ouais, il est bien dressé ce bot. Hein. Voilà, il faut. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour nos prochaines. De vous abonner pour ne rater aucune. Bah oui, mais maintenant. Et voilà! Voilà! Tac, il est là! Attends. Alors moi personnellement, Ludo à chaque fois il prend un truc au hasard, c'est Hunter, moi je prends toujours Shadow. D'ailleurs, bon. Hop, moi j'ai pris une fille.
Voilà, donc là, vous reconnaissez un petit peu, on est sur le même graphisme que Fortnite. Et donc il y a le côté survie où vous craftez, enfin vous allez chercher des ressources. Donc là vous avez du beurre. Oui, pourquoi je cours le moins vite que les mecs? C'est quoi ça? Oh, le sexisme. Oui, Timéo, tout à fait, le jeu est sur Steam, tu tapes Darwin Project. Et tu trouveras le jeu, il est gratuit. Donc tu peux l'installer sur le PC. Donc, je te dirais, mets-le sur le PC de droite. Donc ça, c'est juste une petite info. Pour éviter de l'installer sur les mauvais PC. Non, c'est le PC le plus puissant. Alors rappelle-moi, Bastien, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources à craft à... Alors, on a le bois, on a le cuir par... on a le cuir, oui. Après, vous avez... Ah, allez. Comment ça s'appelle déjà? Les arbres. Voilà, on te suit, là on te voit à l'écran. Je sais plus comment ça s'appelle, les aréotroniques. Je me rappelle plus trop, mais je vais vous redire après. Alors voilà, vous voyez en bas, logiquement. Alors attendez, je vais vous l'user. Voyez là-bas, ou la fin de mon doigt, ou est là-bas. Vous avez la carte où vous avez la zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon. Et du coup, vous avez mon emplacement. Ludo évitera de regarder, bien sûr. Et du coup, vous avez le nombre de flèches. Bon, c'est un peu le nombre de flèches, le nombre de morts et le nombre de personnes qui restent. Donc, au niveau des ressources, là, vous avez... Ah, voilà. Là, on a vu un peu les trucs qui volaient. Oula. Voilà. On a vu un peu de trucs qui volaient. Alors, Vox qui nous dit, en parlant de Steam, n'oubliez pas d'aller faire la quotidienne pour avoir des badges. Et ça paye des électroniques, voilà, électroniques. Ok, on ira voir ça avec plaisir. Donc montre-nous un petit peu le crafting. Comment ça se passe? Alors le craft, vous appuyez sur A, vous avez les flèches. Les flèches, j'en ai 5, je vais en refaire. Vous avez le feu, vous avez les smoke bombs, les gliders, un piège pour les arrêter. Ça fait ça, toute la colonne du bas là, c'est avec les électroniques. Donc vous devez récupérer sur la carte là. Là, vous avez des ninja boots. Bon, c'était pour courir plus vite. Ça, c'est pour faire une hache plus puissante que je vais faire d'ailleurs maintenant. Hop. Et après, vous avez le ghost cloak, l'armor, le fire, etc. Donc, l'armor, c'est l'armure. Ghost cloak, c'est le camouflage. Ouais, camouflage, exactement. Donc là, je vais aller. Je vais pas dire où je vais aller. Bon. Voilà. Donc là, le jeu est en bêta, hein, c'est ça? Early access, ouais. Ouais, Early Access, c'est pour ça qu'il n'est pas traduit. Il est encore en anglais. Bien. Mais après, ça reste, même s'il est en anglais... C'est un bon jeu, hein, clairement. Ouais, les infos sont assez compréhensibles. Donc voilà, donc là, le système fonctionne, hop, on va dire, en plusieurs phases. La première phase, bah, c'est la phase où tu vas chercher des ressources. D'ailleurs, oui, j'ai l'impression que je vais être enfermé, là. Je vais être vraiment enfermé. Putain, je vais t'enfermer, Ludo. Ludo. Et, bah, et quand vous le voyez sur la gauche de votre écran, vous avez donc une roue. Et sur la partie, et là par exemple moi je suis en train de morfler grave, et sur la partie en haut à droite de cette roue, vous avez une zone bleue qui correspond à votre chaleur corporelle. Et vous voyez que la chaleur corporelle... Et d'ailleurs là vous voyez l'électronique où je suis, les trucs gros... Le gros truc là, d'ailleurs, je vais mettre un feu ici, hop, comme ça va me réchauffer. Pour l'instant, je vais récupérer l'électronique. Et voilà. Deux cache bien son jeu, hein, parce que pour l'instant, je vois pas son écran. Alors moi, je joue n'importe comment. Je suis en train de. Mais parce que la dernière fois, on avait bien fait des games avec avec Ludo. Bon, Ludo avait pas trop compris. Oh, ça va, hein. Oh. On va le dire. Hein, ouais, on va le dire. Oh merde, je me suis carrément coincé. Hop, là je suis dans une maison. Oh, je vais être obligé de me faire harakiri. Non. Yes, c'est pas ma zone qui se burn, allez. Allez hop, je vais loot. Parce que là, vous voyez que là j'ai 3 de bois, j'ai un cuir. Oh putain, oh comment c'est bien ça. Tu peux te cacher là-dedans. Regarde, putain comment c'est. Tu m'as dit de regarder, moi je regarde. Bon, même s'il faut pas que je regarde. En fait, c'est un énorme tas de neige où tu peux te cacher dedans. Ah, j'ai trouvé une cape. Pour avoir chaud. Ça c'est bien ça. Ok, alors moi je sais pas du tout où aller en fait. Donc comme pour Fortnite, vous avez des coffres à fouiller. Et dans les coffres, vous trouvez différents accessoires. Donc voilà. Hésite pas à prendre les électroniques, hein, Ludo.
Merci. C'est important. Ça y est, ça lâche. Hop, 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 on y va. Ouais, donc là, pour l'instant, on est vraiment dans la logique du jeu, à la différence de Fortnite, où assez rapidement, on arrive sur du sur de la battle. Là, non, non, il y a une première phase de crafting, en fait, une première phase où vraiment tu récupères des ressources, un petit peu comme Fortnite aussi, mais t'es moins, je trouve que t'es moins les uns sur les autres pour te préparer. Et ensuite, hop, il y a la phase de combat parce que bah, fatalement, comme la zone se réduit, vous le voyez en bas à gauche, vous avez les petits pavés qui disparaissent les uns après les autres. Mais fatalement, arrivé à un moment, on va se trouver sur le même quadrant. Et on va se battre. Et il va falloir se battre. Et c'est ça aussi qui est. Et c'est là où Ludo va mourir. C'est ça. Et c'est là aussi où c'est particulier, où à Fortnite, vous avez plein d'armes. Là, en fait, vous avez qu'une hache. Un arc. Un arc. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que si vous lootez, enfin, quand on dit ça comme ça, si vous. Ouais, tu collectes des choses, enfin, tu si ouvres vous lootez, des coffres, voilà, tout ça, tout vous, ça. Vous ouvrez, vous prenez, etc. Et ben, il va avoir des marques de pas, ouais. Dans la neige. Ouais, donc, ouais, vous pouvez regarder où la position. Enfin, c'est un peu comme les chiens, tu sais, vous de la mais police. Tu traques. Traque, voilà. Ouais, c'est ça, traque. Tu fais une traque. Ouais, ouais, tout et à donc, fait. Ça, c'est très, très, très bien. Bon, c'est, je suis sûr, c'est assez. Ça rajoute un côté stratégique qui est pas mal, effectivement. C'est vrai. Dès que tu fais la moindre chose, dès que tu commences à récupérer du bois ou récupérer... Et qu'il y a les restes, et voilà. Bah, en fait, si vous voulez, bah, vous prenez... Tu fais un feu. Voilà. Et ça laisse donc du coup une trace. Tu vois le feu qui s'est refroidi, tu vois le tronc qui est coupé. Donc là, tu peux te rapprocher du tronc en question et faire une analyse. Et en faisant une analyse, en fait, tu as des informations sur la trajectoire du joueur adverse. Et tu peux partir effectivement dans une track. Mais un petit peu là, on reprend le principe de Hunger Games. Hein. Dans le film Hunger Games, il y a un moment du jeu où je ne sais plus qui se fait traquer et ils analysent les traces de sang, les traces dans le sol. Là, on est vraiment pile poil sur le même concept que le film. Exactement. Très bonne description de Ludo. Merci, merci beaucoup. Allez, donc dans 3 secondes, il y a une zone qui va disparaître. Et là, fatalement, il ne reste plus que 2 zones. On va commencer, ça va commencer à tataner. Et quoi, commencer à, surtout à se trouver. Voilà. Ça, c'est bien ça. Hop. Comme vous voyez, moi, de ma part, je suis très, 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 très bien. Puis si Ludo me tire dessus, au moins, j'aurai le max. Le max à avoir. Je me dis... Oh là là, j'ai failli tomber. Dans la lave. Failli tomber. Dans la lave, j'ai failli tomber. Non, non, pas dans la lave, dans un... Mais c'est pas grave, hein, à part si tu tombes dans la lave, le reste, c'est pas... Dans un gros trou. Oh merde, oh putain, oh là là, heureusement qu'on n'est pas sponsorisé, enfin monétisé, on aurait perdu toute la thune. Donc voilà, on le rappelle, on oubliait de dire que les 1 centime sont maintenant... Ah oui, c'est vrai, il y a les 1 centime en jeu, pour ceux qui ont... Oh putain, il y a la lave, putain, je vais me casser la gueule dedans, je suis sûr, je suis tellement débile. Allez, cours, cours, cours. Là on dit plus rien, là on est vraiment en mode, et voilà, en mode c'est bon, concentration extrême. Je suis plus dans la zone, maintenant on est dans la même zone avec Ludo. Ouais, concentration de l'extrême. À part s'il est... Ah, il y a un cerf ou un caribou. Un caribou. On peut le tuer, le caribou. Quoi? Il est parti. Ouais, il y a un caribou de mon côté. Ah bah... il me fonce dessus. Ah bah mais hey, c'est agressif. Ah oui d'accord, dès que tu commences à le viser... Fais gaffe parce que c'est très agressif. Et en vrai, si tu le prends... C'est agressif des caribous. Mais en fait, genre, une fois, je sais plus ce que j'avais fait, un caribou. Pourquoi t'as déjà rencontré un caribou? Non, mais genre, c'était un espèce de cerf. Mais j'ai pas réussi à le... En vrai, ça fait super vite. Comment c'est possible? Je t'ai vu prendre des électroniques dans une zone interdite. Non, non. En fait, là, le truc, il était vraiment au bord. Du coup, moi, je l'ai pris. Ah, ok. Là, je suis en train de me... Je suis tellement bien. Ouais, mais oui, j'ai bien vu que t'arrêtais pas de... Oh là là. En fait, j'ai tout, je peux avoir tout. Qu'est-ce que. T'es bien de ton côté, Ludo? T'as un électronique au moins? Non, ah si, j'en ai un. Si, si, j'en ai un. Hop. Ah oui, c'est pour ça qu'il y en a un qui a disparu tout à l'heure. Je suis en mode furtif. Moi aussi. Ludo. Oh, mort subite. Voilà, donc là, ça va commencer à. De toute façon, c'était forcément. C'est bon. Oh oui, c'est je suis traqué. Oh, je suis traqué. Oui, bah, c'est parti. Je suis traqué.
Oui, je suis Ludo. Viens. Viens, petit, je t'attends. Je t'attends. Je suis... Attends, parce que mort subite, c'est quoi? Oh putain, ça avance. Ah. C'est quoi, mort subite? C'est que... Bah, en fait, la zone, elle se rétrécit. Ah oui, ah oui, ok. Oh merde. Oh, c'est con, ça. Comme tu dis. Oh là là, oh merde. Oh putain. Oh, ça... Oh merde. Putain, mais ça va se terminer où, là? En enfer. Putain. Je dis plus rien, mais en fait, ça a pas d'effet dans le jeu, quoi. Tu m'entends pas, de toute façon. Hé, t'es où? C'est parti. Non, c'est bon, tu m'as pas encore traqué. C'est bon, c'est pas vrai. C'est pas... Ah, non, c'est bon. Good. Je fais un truc là, je suis en train. Ah ouais, oui, c'était n'importe quoi. Je sais. C'est quoi? Et tu m'as envoyé quoi là sur la tronche? Ça, j'ai l'impression que c'était des flèches explosives ou un truc à la con. Good speed. Putain, t'es où? Mais... Oh! Mais wesh! Mais putain, mais. Ah! Mais viens là! Ludo. Oh! Non! Ça y est, je t'ai vu. Ludo! Ah! Ah! J'ai pris cher. Viens là. Oh bon, allez. Là, c'est... Aïe. Oh, it's a final countdown. T'es où? Mon centime. Yeah. Oh là là là, ça fait mal. Oh non. Reste. C'est fait exprès. Ah. Oh, t'es où? Je suis là. Et on peut se healer. Oh. Oui, oh. On a donné un mot. Ouah. Oui. GG. Bonne game, hein. Donc voilà la première partie. Donc vous avez vu, ça fonctionne en deux temps. Premier temps, on craft, enfin on va chercher des ressources. Ensuite, on craft. L'idée, c'est vraiment de s'équiper un maximum. Donc c'est toi qui as le trophée, effectivement, ton trophée d'immunité à la Koh-Lanta. T'as trouvé. Je vais faire un bon geste. Je vais donner ça à l'association Zedgen, si vous connaissez pas, franchement. Ouais, c'est voilà. C'est trop gentil. Donc je vais leur donner en bas. Non. Je vais. Je vais laisser là et en bas, en dernier. Alors, dites-nous au niveau du chat, vous en pensez quoi de ce petit jeu? Bon, là, vous avez vu vite fait, mais on va refaire d'autres games. Tu peux relancer une game. On va relancer tout de suite la game. Tac. Donc là, voilà, c'est vraiment sur le principe de base, où là, il y a juste deux personnes en mode survie. Et après, il y a ce système de show director qui est assez sympathique. Et le principe est super simple. On récupère des ressources. Ensuite, on se craft des outils, des objets. Alors, tu as parlé effectivement du tracking. On avait fait une petite impasse là-dessus. Et le tracking, pourtant, c'est traquer son adversaire. C'est super important. Parce que, comme Bastien a expliqué, il y a plein. La moindre chose que vous faites sur le jeu. Voilà, tu prends quoi. Voilà. Laisse une trace, fatalement. Ouais, ça laisse une trace ça laisse aussi des traces de pas. Par exemple, lorsque tu marches dans la neige est plutôt bien faite parce que tu vois les traces de pas au niveau de la neige. Ce qui fait que ça peut te donner des informations assez intéressantes. Et tu peux, par exemple, hop, je t'affiche le code. J'ai les gros yeux à la caméra. Ludo, et ça, c'est toi. Ouais, ça, c'est et moi, je suis encore. Je switch sur. Parce que je comprends pas. Moi, j'ai un petit problème au niveau de mon PC au niveau du chargement, je comprends pas. Je pense que je sais pas d'où ça vient. Bon, je vais... Après, je triche. Hein, mon PC. Là, le PC que j'ai en face de moi, c'est un disque dur SSD. Ça aide. Alors, ça aide au niveau du chargement. C'est. Voilà. 3, donc, si vous avez eu le temps de télécharger le jeu, vous avez le code juste, décidément, juste là. C3CT. Voilà. Vous allez dans le jeu, vous faites private game. Oui. Là, vous prenez l'option join et il vous demande un password. Vous mettez ce password et on vous verra apparaître sur la partie à droite sur le social. Donc n'hésitez pas, si vous avez eu le temps de télécharger le jeu, venez nous rejoindre pour faire une petite game. Voilà, toi tu as joué le code Yuke. Alors, donc on a Vox qui nous dit le code... Lyoko. Ah, alors là, il va falloir que... Ah, ça doit être une référence. Ouais. On n'a pas la référence.
Il va falloir que tu. Ça me dit vaguement. Ça serait pas un manga, ça serait pas un truc comme ça. Je pense, ouais. Ouais, ça me dit très animé. Légèrement un truc. Pas mais... un dessin animé, ce truc. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Yoko, ça me donne un truc genre. Alors, Timéo qui dit on fait comment pour l'installer ? Franchement, c'est super simple, Timéo. Donc, tu vas sur. Tu lances Steam. Tu te connectes sur le compte Steam. Et. Ouais, désolé, Vox, j'ai pas la référence. Ça me dit vraiment vaguement quelque chose, mais je l'ai pas complètement. Donc, tu vas sur Steam. Tu vas dans bibliothèque et là tu as une zone marquée rechercher avec une petite loupe. Tu cliques sur rechercher et là tu tapes Darwin Project. Alors comment je peux te montrer comment ça s'écrit ? Donc Darwin assez simple, c'est D-R-A-W-I-N et Project comme projet mais tu rajoutes un C juste avant le T. Donc P-R-O-J-E-C-T. Et là, il va te proposer un jeu, le jeu Darwin Project. Et tu as un bouton sur le bas qui s'appelle jouer. Tu cliques sur jouer. Et là, il va télécharger le jeu. Alors, tu vas en avoir pour une petite demi-heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Tu vas, si tu lances, si tu arrives à lancer le jeu tout de suite, now, le téléchargement now, il est 17h16. Tu pourras faire au moins une game avec nous juste avant qu'on coupe le live. Sinon, je pense qu'on refera des parties sur Darwin Project parce que c'est vraiment un jeu qui est super sympa. En plus, voilà, ce qui est sympa, alors que Bastou est en train de m'éclater, c'est un jeu qui est. Hop, alors, ça, c'est moi qui me fais. Laté. Il est vraiment sympa parce que c'est un jeu qui est vraiment orienté streaming et les interactions avec la communauté, avec le chat, c'est vraiment sympa quoi. Il y a possibilité de choisir son héros en fait, de choisir de miser en fait, de faire des paris sur telle personne qui va gagner. Enfin, il y a vraiment tout un système qui tourne autour de la communauté. Alors c'est que sur Twitch malheureusement, qui est assez sympathique. Comment tu vas, Ludo? Allez, c'est parti. Five. Alors, vous avez suivi Bastien tout à l'heure. Cette fois-ci, vous allez voir mon gameplay. Ok, là maintenant je triche c'est pas. Toi, voilà, c'est toi qui vas pouvoir tricher comme un grand bâtard. Non, je triche pas. Non, t'imagines, c'est toi, t'arrives à tricher et même pas à gagner, franchement. Ça se fait pas. Non. Au pire, mettez ma caméra, vous allez voir. Enfin, si vous voulez voir. Ludo, concentré. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça ? Ah, ça veut rien dire. Ok. Ok, alors. Voilà, donc, comme je vous ai expliqué, là, je pourrais monter je fais un petit peu de ressources, donc du bua. Donc là, vous voyez, je suis dans le secteur en bas à gauche. Bon, je dis, de toute façon, ça sert à rien, Bastien voit l'écran, il a le retour, donc si vraiment il voulait... Non, mais vraiment, là, ouais, non. Ouais. Franchement, ouais, fais-moi franchement. Confiance, je te... Ouais. Non, vraiment, je triche pas. Je... Voilà, et donc là, vous avez des petits fauteuils comme ça, qui vous permettent de récupérer de cuir, hein, qui sert... Des fauteuils autres... quand même assez... Ouais. Ils ont un style un peu bizarre. Ouais, ils sont assez classe, dommage qu'ils soient vieux. D'ailleurs, j'en ai récupéré un. Et donc les fauteuils, bien sûr, vous avez du cuir qui permettra par exemple de vous faire les vêtements chauds. Ok, bah là j'ai même pas besoin de tricher parce que je suis arrivé dans une maison où il y a une carte. Ah, et donc là tu veux montrer un peu ça, à quoi ça ressemble une carte dans la maison ? Ouais, alors je bascule sur toi pour montrer. Hey. Bim. Voilà, donc là on est dans la maison qui ressemble à ça, que j'ai loot, etc. Et voilà, ça ressemble à ça. La petite truc. Ça ressemble à ça. Oui, un peu. Non. Oui. Ok. Donc là, je vois que Ludo est ici. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me diriger là-bas. Parce qu'en plus, il est à côté d'un électronique. Je vais traverser par la zone. Je suis à côté d'un électronique. Maintenant, tu peux remettre ton écran, Ludo. Bon, j'ai pas l'impression que mon son est ultra fort. C'est bizarre. J'entends pas mon écran. Alors. Au niveau du micro, j'ai dû baisser un tout petit peu, tu saturé. Ah oui, c'est normal. C'est pour ça. Hop. Ok. Donc au moins je sais où Ludo, même sans tricher, je sais où Ludo est. Bon, bien sûr, si je vois que Ludo fait des réglages, je bougerai pas, hein, je l'attaquerai pas même si je le vois. Ouais, c'est bon, j'ai checké sur le live. Je pourrais même limite un peu bien. Le troll si j'arrive bien à jouer. Par contre, tout à l'heure, j'arrive pas comment. Je sais pas comment la. C'est toujours. Non, c'est plus pas sur moi. Comment t'as fait tout à l'heure? Enfin, comment j'ai fait surtout tout à l'heure
pour envoyer une flèche. Où ma flèche t'a fait dégager, mais genre carrément, à 20 mètres quoi. La première flèche que tu m'as envoyée, carrément, j'ai cru que tu l'avais craftée et que t'avais fait une flèche explosive ou un truc à la con. J'ai pas l'impression, non. Parce que franchement, mais ça m'a vraiment fait partir. Ah cool, Timéo qui arrive et qui l'installe. Nickel. Bon okay. Voilà, là normalement, comme je l'ai fait à la maison, parce que voilà, pour tout vous dire, Timéo, c'est mon fils. Donc je connais un petit peu d'où il télécharge. J'ai mis environ 3 quarts d'heure pour le télécharger. Donc c'est jouable. C'est jouable. Comment on fait des vêtements? On peut pas se faire des vêtements? Ouais, ça c'est pour... attends. Dire ah ça oui, en... mais c'est ça que j'avais tout à l'heure. Hop, je vais crafter ça. Je vais mettre ça. Ouais, quand t'es à l'intérieur d'une maison, ça te protège pas du froid. Non, il me semble pas, non. Non, mais je vais faire du feu. Ok, là, je suis bon, je suis full. Hop. Je t'ai fait le feu en plein sur le truc électronique. Oh, mais moi, des fois, je plane des feux. Ça marche. Toi, t'es déjà combien? 2 électroniques? Non, 1. 1 seul électronique. Alors, j'en ai toujours pas un, moi. Que le but, on vous le rappelle, hein, c'est quand même avoir de l'électronique, c'est mieux. Bah, ça te permet de faire des trucs, par exemple là il y a une petite tourelle. Ah oui, un détecteur. Un bah, en fait, tout le monde a des trucs différents, Ludo. C'est ah, toi d'accord. Qui choisis. Ah oui, c'est par rapport aux classes que tu choisis ou oui, pas. Oui, voilà, exactement. Okay. Non, si, j'ai rien dit. En fait, c'est, tu peux avoir custom aussi ou toi tu peux en faire un. Okay, super, je suis à côté de deux trucs. Faut voir bien mon stuff comme tout à l'heure. Oula. Faut... Donc là, vous tombe voyez, pas dans la lave, hein, il parce faut que je me casse sur Mars. Tu te casses sur Mars. Ok, je sais où t'es c'est alors. Pour ceux qui ont la référence, répondez dans le chat. J'ai l'impression tu te casses que là, sur Mars. Je pense que là, tu vois. Vous avez entendu ça. Hop, et là, vous voyez, il faut que je me barre. Parce que sinon, ça va. J'en étais sûr que t'es dans la zone si tu dis qu'il faut que je me barre. Ouais, là, il faut que je parte. Là c'est le moment. Et tu prends pas encore de dégâts. Hein. Je. Voilà. Oula. Et là, oula, je suis pas bien. Là, j'ai froid, il faut que je sorte de la zone. Là, c'est. Oh, c'est critique. C'est du n'importe quoi. Sors, fais un feu, fais un sors, feu. Sors, t'as la clé, t'as la clé. Fais un feu. Et toi, t'es juste pas loin de moi. Mais t'as pas intérêt à venir. Vas-y, viens, je t'attends. Vas-y, viens. Ah, mais moi, je suis bien stuff en vrai. Ah, bah, tiens, là, c'est bon, j'ai l'électronique et tout. Putain, il y a des mouches là. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai eu chaud. Enfin, j'ai eu froid. Mais j'ai eu chaud. Le bon jeu de mots. Enfin bon, on se comprend. Hop, c'est parti. Alors Timéo, juste, il y aura un petit truc qu'il va falloir que tu fasses parce que comme c'est un jeu qui est encore en anglais et qui prend pas encore le fait que nous, Français, nous avons des claviers AZERTY, il faudrait que tu changes juste les touches. Ah, parce donc, que t'as un clavier QWERTY. Non, on a... qu'est-ce que j'ai dit? Que nous, on n'avait pas de clavier QWERTY, t'as raison. On a un clavier AZERTY. Il y a un clavier AZERTY en vaut 2, bien sûr, tout le monde le sait. Donc il va falloir que tu changes les touches en allant sur Options. Et après, tu as 4 colonnes et je crois que c'est Mouse and Keyboard. Oh ouais, c'est sûrement ça. Hein. Et il faut que tu mettes ZQSD, hein, les classiques. Donc ça, petite modification pour ceux qui veulent jouer au jeu. Sinon, bon, après, tu peux te débrouiller, mais sinon, tu as le Z qui est remplacé par le W, le A par le Q. C'est un peu chelou pour jouer. Hop. Ah ouais, là, je suis carrément bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la zone, c'est la zone de en haut à droite, tu la vois ou pas? Bah, la prochaine zone qui va se fermer, je pense que c'est celle-là. La zone en haut à droite, où tu es en fait. La zone qui s'affiche actuellement sur l'écran que je suis en train de consulter dans la maison. C'est ça, hein? Ouais, je pense qu'elle va se fermer là sur moi. Tous les cas, hop, il n'y a plus d'électronique là où je suis. Ah, crotte, ça vient de disparaître donc t'étais là. Bah c'est normal parce que je l'ai prise. Tu viens de prendre. Oh merde, il faut que je fasse un feu. Oh merde. Hop. Eh, t'avais raison. GG. Hop là, voilà. Oh, je suis tellement bien, ouais. Oh là là. Oh, et là, j'ai failli faire. Ah oui. Et bam.
Ah, là, y a, là, là, quand il y a du silence comme ça, il y a de la concentration. Il n'y a rien à dire. Ça se concentre. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Ah, d'accord, elle dit qu'il y a une nouvelle électronique qui vient de s'activer. Ouais, mais il est au milieu, quoi. Allez, Amazon. Il dis-moi milieu, que c'est pas Amazon. Ah, merci. J'espère que c'est pas Amazon qui J'ai va... failli l'oublier. Heureusement que tu m'as rappelé que l'électronique était juste par chez Oh putain, voilà, j'en étais sûr. Je me cache, je suis juste à côté de la sortie dans tous les cas. Pourquoi je vois ton nom? Ah, c'est qu'on doit pas être loin. Oui, non, c'est juste qu'en fait, dès que tu fouilles en électronique, tu vois le nom de la personne. Ah, ok. Il me semble. Attends, parce que moi je suis dans une zone. Oh, je peux te traquer. Quoi? Oh putain, il y a un cerf. Oh, je peux te traquer. Ah, vas-y, je t'attends. Je suis en mode tracking. Je t'attends, ah oui, je t'attends. Excellent. Tu me vois logiquement mes mètres. Ouais, ouais. Je vois. T'es à 273 mètres. Bon, on n'est pas si loin en fait. Hein. logiquement, t'as arrêté de me traquer là. Ouais. Hop, puis je suis sorti de la zone aussi. Bon, on va te mettre des pièges. Ah bah vas-y, hein, quand tu veux. Tu regardes pas. Hein. Non, là maintenant je regarde plus. Ah, un cerf. Viens ici, toi. Un cerf sauvage. Ouais. Et ça te... C'est quoi? Tu récupères quoi du coup quand bah, tu... Bah je sais pas, je l'ai pas eu. Ah, ballot. Ok, je sais où t'es. Coucou. Putain, j'ai failli faire une erreur strat. Ah. Moi aussi je te vois. Tu es à 100 mètres. T'es sûr? Yes. T'es là. C'est pas vrai. Si, t'es là, bien sûr que t'es là. C'est pas vrai. Tiens! Ah! Non! Non! J'ai plus de flèches! Super. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oula, c'est un désastre! Oh, c'est un véritable désastre! J'ai plus de flèches. Je me caille les miches. Pour pas dire les burnes. Oh, il y a mon fils. Pardon. Écoute pas, t'es mieux. C'est la catastrophe. On fait un feu. Allez hop, on sort la guitare et on chante du Henry Death. Je pense pas que c'est le moment, Ludo. C'est pas le moment. Si, faut déstresser. Eh oh, Ludo. T'es où? Bon, où sont les traces? Laisse des traces, s'il te plaît. Fais du bruit. Oh là là, c'est tellement stylé le camo. Oh, oh là là, oui, j'ai entendu. Oh, ça fait mal. Oh, j'ai un camo. Oh, j'ai entendu passer ta flèche. La première. Oh là 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 là, comment je me fais? Ah oui, d'accord, ça y est. Coucou, Ludo. Je te vois. J'ai un camo, Ludo. Oh, je te vois. Oh, mais putain, j'ai eu un lag. Attends. Stop. Oh, un lag. Oh, ça fait mal. Oh, merde, j'ai plus de flèche. Oh oui, donc, ah oui, en plus, il y a la zone qui se. Oh merde. Qui se réduit. T'es où? Oh putain, et en plus j'ai plus de flèches, je fais chier. Cours. Out of arrow. Putain, pourquoi tu détectes pas le détecteur? Et je pense que y a plein de choses. Les ressources, je les utilise pas comme il faut, quoi. Je suis persuadé que je peux crafter. Ah, ça sort. Oh, un deuxième. Oh, il est trop fort. Oh, il est trop fort. En plus, je suis descendu en mode. Ah, Timéo qui dit mise à jour. Ah là 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 là, c'est vrai que j'avais pas prévu ça dans le scénario. Dans le scénario, la mise à jour. Alors j'espère que c'est pas une mise à jour Windows 10, sinon t'es foutu. Si c'est une mise à jour Steam, ça devrait passer. Elles sont pas trop mastoc. Mais GG, tu gardes la pièce. Non, je vais quand même la donner. Oui, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est notre totem de victoire. Tu gardes le totem de victoire. Bravo. Je fais mon Denis Brognard. Bravo, tu as gagné ce totem de la victoire. Je le rappelle, qui est une pièce de 1 centime. Vous voyez que nous sommes un stream avec du budget. Nous avons un totem à 1 centime. Bref. Voilà. Donc, ouais, bien sympathique. Bien sympathique comme jeu. Ouais. Pour faire un petit débriefing sur mon gameplay, je pense que je ne crafte pas suffisamment. Bon, déjà, vous avez vu, j'ai complètement zappé le crafting des flèches. Donc, je me suis retrouvé. Mais j'ai vu que toi, Bastien, c'était pareil. Hein. Je crois que oui. T'as fait un petit fail de craft. En fait, j'avais plus de flèches. Donc, c'était un peu embêtant. Ouais, j'avais en plein plus de flèches du tout. Donc, je pouvais plus craft. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment dans la première phase de jeu se faire un maximum d'éléments pour la baston finale. Donc crafter un maximum de choses. Donc vous avez vu moi la... Garder un truc pour le feu, tout le temps.
un truc pour le feu. Absolument, toujours avoir un petit peu de bois pour faire du feu au cas où, parce que comme vous avez pu le voir, dès que tu commences à te cailler les miches, la vie, alors au début c'est le bleu qui disparaît, ça va, mais dès qu'il n'y a plus de bleu, ça va taper dans, dans les PV, dans les points de vie. Donc là ça craint un max. Voilà, donc là je vais vous mettre l'écran pour vous expliquer ça. Toc. Donc vous voyez qu'au niveau du choix, lorsque vous arrivez sur votre game, vous avez plusieurs classes à choisir. Donc vous avez la classe donc The Hunter. Donc le Hunter est un spécialiste de la track qui préfère collecter les indices et les informations au sujet de leurs opposants avant de les confronter. Après vous avez The Goon. Alors The Goon, je ne connais pas la traduction. Alors ça viendrait de Goonies. Donc The Goon, ça doit être peut-être explorateur. Peut-être. Là, ma traduction va être peut-être un peu limite parce que là, déjà, The Goon, je connais pas le mot. Alors, faut. Juste prendre ton code. Oui. Ah oui, mais après, je pourrais pas expliquer. Alors, je finis juste l'explication. Okay. Alors, le The Goon, pour faire vite, il engage. Il engage ses ennemis pour utiliser la force brute. S'il y a un ennemi à proximité, il n'y a aucune chance de ne pas se battre en fait. Timéo qui me demande mon mot de passe. Timéo, je vais pas pouvoir te le donner. Tada. Surtout en live. Ouais, là, du coup, c'est le fail. Si je vais essayer de t'envoyer de ça, comment je... Ça va être chaud. Donc après The Shadow, donc l'ombre. Donc là, vous l'avez compris, c'est plutôt le côté furtif. C'est pour ça que c'est un ninja. Et après, donc custom, c'est lorsque vous voulez customiser les spécificités. Shadow is the best. Voilà, les spécificités. Donc là, moi, je vais prendre The Goon. Je sais pas si tu prends quoi toi d'habitude. Shadow tout le temps. Shadow, d'accord. Donc et voilà. Et donc là, j'affiche le code. Timéo, je t'envoie un texto sur le téléphone. Donc ouais, on espère que les 1v1 vont vous plaire pour le replay et en même temps pour le live. Enfin, nous c'est un réel plaisir de nous faire ça. Je regarde comme ça parce qu'en fait il y a une petite mouche là qui se balade derrière la caméra. Ouais, j'ai vu ça. On a un habitant. Mais... Pas grave, tant qu'à pas dans. Peut-être elle veut faire son coucou, hein. C'est peut-être un abonné de la chaîne, tu vois. C'est ça, abonne-toi. Abonne-toi. T'es pas abonné, abonne-toi. Ouais, et donc toi Bastien, tu l'as découvert comment ce jeu? Parce que c'est toi qui as trouvé le Darwin Project, c'est toi qui l'as proposé. Comment t'es tombé dessus? Je m'en rappelle plus. Il me semble que c'est un copain à moi. Je jouais avec lui. Il m'a dit, tiens regarde maintenant le jeu, c'est Inok, ou un moment qui était passé dans les anciens streams. Il me l'a conseillé. Ou parce que je joue souvent avec lui, etc. Donc il m'a proposé le jeu. Et oui, on a fait quelques games. C'était sympa. Donc, puis vu que je connaissais déjà Darwin Project, mais il y a longtemps. Ah, parce que le projet... Ah, je pensais qu'il avait l'air d'être assez récent. Il date non, de non, quand Non, il y a un an. Il a un an, le Ouais, le il jeu. A un an. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc... Mais en fait, avant, il était payant. Bah, à mon avis, en plus, voilà, on voit que le graphisme ressemble quand même assez à Fortnite. S'ils mettent ce jeu payant avec un jeu qui ressemble fortement à Fortnite, alors que Fortnite est juste à côté gratos, même si vous avez pu le voir, c'est pas même si vous avez pu le voir, c'est pas la même chose quoi. On est toujours sur le Battle Royale, mais bon, ça, les Battle Royaux, c'est maintenant très répandu, donc cette notion de réduction de zone, ça part, on le trouve partout, c'est classique. Mais là, vraiment, ce qui a été intégré, donc il est double, la double notion qui a été intégrée. La première notion, c'est vraiment la notion de survie, de tracking poussé à l'extrême. Et l'autre chose que malheureusement on ne peut pas vous faire découvrir, mais on va essayer de monter un petit peu, on va jouer pour arriver à un niveau 10 pour qu'on puisse proposer le show director, cette notion de show director qui est assez sympathique, la possibilité d'avoir un joueur qui puisse avoir une influence sur la game globale. Ça peut être quelque chose qui peut être juste reprendre qui peut être, le code qui peut être rigolo. Malheureusement ça ça a fait un petit time out. C'est parti. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas eu de bug de son.
Non, ça c'est bien. Et ça c'est cool, ça veut dire qu'on a trouvé la réponse. Donc la réponse, après des recherches très poussées, ça venait du fait que nos PC avaient des résolutions différentes et notre boîtier de capture n'aimait pas quand on bascule comme ça du PC Bastien, de mon PC ou de d'autres PC streamers. Le boîtier de capture n'aime pas les changements de fréquence, les changements de résolution, pardon. Donc là, on a synchronisé nos résolutions pour que ce soit strictement les mêmes, ce qui fait que lorsque je switch au niveau de notre boîtier, le boîtier de capture, lui, voit juste une interruption du flux et une reprise du flux. Donc pour lui, c'est pas, y a pas... Une mécanique à faire. Donc ça c'est cool. C'est cool, on a trouvé la solution, la raison du bug. Alors Timéo, j'essaye de t'envoyer ça. Je t'envoie les coordonnées. Malheureusement ici au live, au studio, il fait très chaud. Salut. Alors Sayad TV. Sayad TV. Oui. Sayad. Salut. Est-ce que tu connais Darwin Project? Donc le jeu que Bastien a trouvé, un petit jeu sympathique, une sorte de mélange de Fortnite et de Ark. Donc tu as le côté Fortnite, bah bien sûr. Ah ok, ben nickel, oh génial. Mais oh, je t'affiche le code, viens avec nous. Bien sûr, si tu veux venir avec nous, tu as le code qui s'affiche juste là-haut. N'hésite pas à le mettre et à venir. Alors, tu joues depuis longtemps ou pas? Parce que il va falloir tataner Baptiste qui est là. Baptiste, ouais. Voilà, Baptiste, pardon, Bastien. Ah, il fallait bien que je la fasse. Donc, Bastien qui est là, qui a gagné deux games. Voilà, il a gagné déjà deux games. Donc, il a notre super jeton de victoire, qui est un centime. Et voilà, et il vient de nous rejoindre. Nickel, on va pouvoir jouer, c'est sympa. Donc, c'est le jeton qui est mis. Je pense que ça va finir donc si tu vois passer un Goosepeed, tu l'évites, tu le laisses. Il est pas dangereux, Goosepeed, c'est bon. Moi, ouais, ça va, je suis une. Tu le laisses. Si tu vois passer un Bastou, oh, alors là. Attends. Pourquoi? Non, juste regarde son skin. Non, en fait, non, je crois qu'il va me niquer aussi. Je crois qu'on va prendre cher. On va prendre cher. Mais bon, on est là pour apprendre. Alors donc là hop on va mettre, alors du coup je vais pas mettre Bastien, je vais mettre mon, parce ouais. Que déjà voilà, déjà que on sait jamais avec le stream tool, le stream stop. Ouais, parce que là du coup si tu as du level, si en plus tu peux voir l'écran de Bastien, là ça va être une catastrophe. Ouais. Donc vous allez suivre mon gameplay et on joue donc à 3 avec Sayadi. Alors je vais dire Sayad. Sayad. Je pense que Sayad c'est bien. Ouais, je le fais en English parce que le jeu est en English. Donc Sayad qui nous a rejoint. Et je pense qu'il va nous mettre une jolie déculottée. Je le pense. Parce que voilà, pour la petite histoire, nous on a. Donc c'est Bastien qui a trouvé ce jeu il y a 15 jours à peu près de ça. On a fait quelques games de test pour tester justement par rapport au stream. Et là, vraiment, le but c'était de faire une découverte sur ce jeu. Et on n'a que quelques games derrière nous. Une petite. Moins d'une dizaine quoi. Ouais, je pense. À peine. Enfin, moi, franchement, j'en ai, oui, une dizaine, largement. Mais, mais je fais n'importe quoi. Oui, mais si tu dois, je suis en train de faire un feu alors que je voulais faire des flèches. Donc, Sayad, tu vois, je suis pas dangereux à Sayad. Donc, voilà. On t'invite à nous follow, hein, parce que je ne sais pas si tu connais le concept du dernier stream à la fin du monde. C'est un sujet qu'on a apporté il y a moins d'un an. C'est ça, on a lancé le stream début janvier. Et qu'on est à la quatrième émission. Et si tu veux nous rejoindre, si tu veux bien rejoindre la team de Dernier Survivant, tu peux te follow. N'hésite pas à t'abonner. Voilà, donc c'est un stream mensuel tous les derniers samedis de chaque mois. Donc on essaye d'être là à l'antenne tous les derniers streams de chaque mois. Après, si c'est pas le dernier samedi, ça peut être reporté. Ouais, c'est annoncé. En règle générale, on essaye de faire ça régulièrement et donc tous les derniers samedis de chaque mois, de 16h à 18h, on se fait un petit live, dernier stream avant la fin du monde. Donc il y a en deux parties, une première partie un petit peu blabla, on discute entre nous tranquillement et je vous fais des news. Et si tu veux, malheureusement, bon... si tu vois qu'on... genre, si tu constates qu'on joue un peu sans son... C'est normal.
Non mais là, ça, là c'est bon, ça fonctionne bien. Toc. Et et voilà, l'idée c'est au niveau des gameplay, donc jouer bien sûr au jeu assez classique, hein, Fortnite compagnie. Mais quand on a la possibilité, comme là c'est Bastien qui est tombé sur un jeu qu'on a trouvé tout de suite sympa, quand on a la possibilité de faire découvrir des nouveaux jeux, alors, on n'hésite pas. Et là on est plutôt content de ce jeu là. Tu vois qu'il oula est... Oula, un caribou. Allez caribou. Ah oui, donc il y a Ludo, fais gaffe. Quoi? Sayad, il arrive vers toi. Non, non, laisse-moi mon caribou. Ah, il est mort bizarrement. Il est mort chelou. Il est mort chelou. Ouais, non, carrément, il est mort à la tête. Il est carrément mort chelou. Oula, il disparaît bizarrement. Et donc, j'avais une flèche enflammée. C'est bien ça. Bah, carrément. Carrément, carrément, carrément. Putain, et je suis en train de crafter, mais je pense que Sayad doit rigoler à nous voir jouer. J'étais en train de crafter comme... Bah, peut-être que Sayad va peut-être t'attaquer en vrai d'abord, tu parce crois qu'il toi, voit ton stream, hein, je pense. Je suis là avec toi, mais je ne te tuerai pas. Ah, c'est gentil, on t'entend en plus, nickel, on t'entend sur le live. Ah, moi j'entends pas, merde, il a dit quoi? Ah, tu l'entends pas? Non, moi j'entends ah pas. Ah oui, tu pas... l'entends pas, je suis le seul à t'entendre, parce que j'ai le retour du jeu. Et on a passé un pacte de non-agression. En gros, je t'expliquais en fait, quand t'es autour de quelqu'un, il peut t'entendre, tu peux l'entendre, mais pour pouvoir parler... Non, peut-être qu'on a signé un pacte, enfin peut-être que vous avez signé un pacte de non-agression. Activé, bon, je me ferai sûrement battre par... Mais ça fait une d'accord question pour toi... Alors je retranscris Bastien pour, ouais, pour que je puisse avoir une l'avance. En fait, il faut que tu sois à proximité du joueur. Quand t'es à proximité du joueur, tu l'entends. Et pour parler avec lui, il faut que tu appuies sur T. Ah, c'est pour ça que je vous entends pas. Mais en même temps, je pourrais pas vous entendre. Mais il faut que tu sois à côté de lui, en fait. Ouais, mais en même temps, je pourrais pas vous entendre, parce que j'ai pas de son. Mais tu as... Ah, t'as pas le son de bah ton non, jeu. J'ai rien. Donc c'est pour ça, en fait. C'est normal, si on peut pas m'entendre. Donc le seul moyen que tu m'entendes, c'est par le l'étoile, live. Ça marchait pas. Bah, non. Ah, dommage. Ah, il faut vraiment... Attends, il y a un caribou, là. Il faut vraiment bougez qu'on pas achète les... Bam. Oh, j'ai niqué un caribou. J'ai un caribou. Attendez, laissez-moi loot mon caribou. Est-ce que c'est bien? Attends, le caribou, comment il est mort comme une grosse merde? Pardon. Ça se fait pas. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas monétisé. Ça va finir en mort subite. What tout ça. Ah. Attends. Non, Sayad. Sayad, on est gentil. S'il te plaît, je suis gentil. Putain, j'ai relingué. Sayad, arrête. Sayad, arrête! Enfoiré! Il t'a eu? Bon, bah donc c'est moi qui suis le prochain arrête, sur Sayad la liste. Sayad, non, mais non, mais Sayad, sérieusement, je suis une fille, pourquoi? T'es sexiste, mais c'est oui, ça! Touche pas. T'es sexiste? C'est ça! On va t'envoyer la Ligue des féministes acharnée. Viens là! Non, arrête, s'il te plaît! Tu vas être mal. Deux secondes, merde. Arrête! Attends, viens, on fait un petit bisou et après on en discute. D'accord? Tu veux bien? Je suis pas sûr que ça marche. Attends, allez, bisous. Franchement, non, arrête, non, s'il te plaît, non, stop, s'il te plaît, fais pas de mal, s'il te plaît. On entend les lamentations. Attends, je veux voir ça. Bisous. Oh. Alors, t'es où? Ah, oula. Foiré, t'es enfermé avec moi. Ah, t'es mort, t'es actuellement décédé. Attention, là. Vas-y, attaque-le, il est enfermé. Quoi, il est enfermé? Mais il est vraiment enfermé, dans comment son il cache. Est enfermé? Mais comment vite, il là-bas. Est attends. Comment non, il peut être enfermé? Mais il est où? Mais regarde dans le lac, on était dans le lac. Quoi? Dans le lac. Dans un hamac? Le mais gars non, qui dans comprend un rien. Lac, dans le lac, il y a attends un hamac. Voilà. Tracking. Where? Ok. Tu es actuellement traqué. Bye. C'est quoi ça, snowball? On compte sur toi pour pas que tu regardes le live, hein, Sayad. Oh, ça changera pas grand chose. Tu verras, ça changera pas grand chose. Sinon, oh, bien joué, Sayad. Nous voyons des traces. Nous suivons les traces. Il bah, est là actuellement. Par contre, dans 17 secondes, par contre, Ludo, faut que tu ouais te casses là. Hein, parce que là, ça va être un peu compliqué, j'ai l'impression. Attention. Ouais, elle est trop loin. La musique, ouais. Ah, pourtant, ah oui, 100 mètres. C'est loin, 100 mètres. Pardon. Central Forbidden. Pour l'instant, je vais spectate. Ah bah attendez, je spectate. Absolument Forbidden. Est-ce que tu pourrais changer la caméra, Ludo?
Yes. Comme ça, je spectate. Tu me demandes de faire plusieurs choses à la fois. Oh mon dieu. Hop. Et voilà, c'est parti. Moi, je spectate. Multitâche. Alors, oh, oh, il y a du monde. Attention, c'est parti. On voit le Sayad qui va retourner dans la zone. Allez, c'est parti, Ludo. Attends, je t'entends. Ludo, pourquoi qu'est-ce que tu fais là? T'entends très très faible. Attends, je vais essayer de voir si je peux monter. Ah bah non, mais qu'est-ce que vous faites là? Le son du chat. Attends, il faut que je monte le son du chat parce que je t'entends très. Voilà, voice chat volume. Bim, oh, il va se tirer. Comme ça, je t'entendrai parfaitement bien et on t'entendra et beaucoup voilà. mieux sur le chat. Et c'est parti. Alors là, sur le chat, sur le. Derrière toi, Ludo. Oui, non, mais attends. Ok, c'est parti. Hop. Non, on va faire un truc. À ce moment-là, on va se la faire en mort subite. Bon, tu me prêtes ton feu? Alors, hey, pourquoi t'es où? Il m'a attaqué. Merde, t'es à côté de moi. Ah mon dieu. Faut lui un coup d'âge, vite. Non, je suis pas comme ça. On a un pacte de non-agression jusqu'à la mort subite. Hop. Il est que niveau 3? Et dans mort subite, il y a il est que niveau 3, ça y est. Le gars qui comment il court après, on dirait qu'il veut ta mort quoi. Ouais, c'est téléporté. Ah ouais, c'est forbidden. Voilà, c'est complètement forbidden. On se barre tout de suite. Alors on voit Sayad qui loot, enfin qui a looté plus tard. Sayad qui s'enfuit. Je sens que la mort subite, elle va faire pas un pli. Allez, il faut sortir de la zone, je m'en fous de traquer. Ah, je meurs. Non, ça y est, je démeure, c'est bon. Ok, c'est parti, Ludo il est juste en face de toi. Est-ce que, attends, Ludo tu vas me dire, est-ce que tu vois quelque Allez, chose? Allez, on sort la guitare et on chante du Henri Dess. Est-ce que tu vois un énorme truc là, à côté de toi, à ta droite? Pardon. Est-ce que tu vois un énorme truc voler? Un énorme truc. Ah, c'est ton. C'est... Ah, d'accord, c'est toi qui fais le réalisateur. Tu vois là? De ce grand show. Oh ah, tu me vois? Un caribou. Il y en a un caribou. Tu m'as vu? Dans ta gueule. Yo! Un Ludo, tu m'as vu en tant que. Putain, merde, le caribou il est parti dans la non mauvaise. Vas-y, prends. Ah non! Chute! Ah, j'ai chuté! Non. T'es mort, Ludo. Oh là, comment? Attends, bon, non. Bon. Non. Oh allez! Je t'ai poussé dans la lave. C'est le décès. Ah, je t'avais pas menti, Sayad. Je t'avais pas menti. En fait, pourquoi? En fait, genre. Oh la pauvre mort dégueulasse. Est-ce que ça veut dire. Non, mais en fait, est-ce que tu me voyais en tant que gros robot? J'ai pas fait gaffe. Je t'assure, j'étais concentré sur mon caribou. Et bah, la preuve, pas assez concentré parce que j'ai pas vu le trou. alors, Sayad, malheureusement, on n'a pas mis le Discord. On pourrait. Ça va être un peu chaud. Ça va être un peu chaud parce qu'en fait, on finit le live à 18h. Donc, si tu reviens les mois prochains, il n'y a pas de souci. Je mettrai en place le Discord. Parce que là, on l'a pas mis tout de suite en place. Et pour les prochaines fois, ouais, on mettra en place un Discord avec grand plaisir. Il faut lancer le logiciel. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore paramétré au niveau de notre système de son. Donc avec grand plaisir une prochaine fois. Donc, follow et abonne-toi, comme ça, tu auras les notifs. L'idée est simple, de toute façon, tous les derniers samedis de chaque mois, donc là il va y en avoir un au mois de juin, fin juin, peut-être mois de juillet, je sais pas si t'es là fin juillet, il faudra voir ça. Ouais. Sinon, on continuera en là, mois de septembre. Là d'ailleurs, au début juin, là, non, c'est quoi le prochain mois là? Juin. Début juin, on a un autre live mais qui est complètement différent, donc si tu veux passer voir cet événement. Oh merci! Merci beaucoup! Merci de t'être abonné. Tu vois, en plus, tu as pu tester notre système d'alerte qui fonctionne parfaitement bien. Ça fait plaisir. Ok. Bon, du coup, on va. Mais ouais, je pense qu'on se refera des. Des games. Là, on peut s'en refaire une. Parce que toi, il faut que tu partes. Ouais, si on a le temps d'en faire une petite dernière. Au pire, moi, je vais me mettre directeur. Je vais me mettre directeur comme ça. T'as le level? Non, mais même, je peux me mettre directeur en partie privée. C'est vrai? Ouais. Je pensais qu'il fallait avoir niveau 10 pour. Ok, donc là, je suis en train de relancer la game de mon côté. Et après, je vous affiche. Dommage. C'est pas grave, Sayad. Juste, essaye de. Alors, je vérifie si ça vient pas de chez nous. Non, ça vient pas de chez nous, le retour que j'ai ici. Sayad, est bon. Essaye de survivre encore un peu et de suivre encore un peu et. Hop. Avec Taco. Je sais pas, je vis deuxième minute, je dois déco, désolé. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup déjà de ton passage, ouais. Ça fait extrêmement plaisir. Ouais,
C'est très... parler avec un peu des personnes qui viennent de débarquer comme ça. Franchement, ravi d'avoir fait ta connaissance, Sayad. Avec plaisir. On reparlera. Allez, salut, bonne journée. Bonne journée, Sayad. Hop, voilà. Et pendant ce temps-là, la partie, alors ça c'est toi, bim. On switch le switch. Et par contre, il y avait des skins de ouf. Hein. Wow. Ah oui, mais je sais pas si on peut voir son level. Si, je pense qu'on va pouvoir peut-être regarder. Qu'est-ce que je fais du coup là, Ludo? On fait du solo? Ouais, on se refait un petit, okay, une petite survie. Là, je pense que ça va nous amener tranquillement jusqu'à 18h. Et comme ça, après, on sera tout bon. Ouais, en tout cas, ouais, le jeu est bien sympa. Je pense qu'il va falloir s'en refaire un à la rentrée. Surtout la Technocom. Ouais, Technocom, au Technocom, si là, au salon du, pas, jeu vidéo, salon du jeu vidéo, ça peut être. Ouais, non. Clairement, on se programme ça au Technocom. Franchement, qui est c'est. Vraiment très... Il est vraiment stylé. En plus, le fait qu'il soit vraiment orienté show, la partie show, le fait d'en faire un spectacle pour le Technocom, pour le salon du jeu vidéo, pour les visiteurs, ils pourront voir le show et même éventuellement venir voir le réalisateur et dire bah, tiens, fais ça, fais ci. Ça va être vraiment très, très sympathique. Alors, donc, Bastien va remettre en jeu. Son totem de victoire grâce à ces deux victoires, voilà. Alors moi, je le centime symbolique. Si je gagne, tu le gardes. Si et tu en fais un don. Donc, si j'ai bien compris, je te laisse. Ah, j'ai une idée. Ah, oula, que si vas-tu faire? Si je gagne, le prochain live, on fera un tirage au sort. Oula. Et on prendra contact avec la personne et on l'enverra le centime. Ça va nous coûter plus cher de timbre. Dis pas ça. Oh, ça va, j'en ai des timbres. Timbres, c'est plus qu'un centime. Hein. Je sais plus à combien ils sont les timbres maintenant, mais c'est beaucoup plus qu'un centime. C'est pas grave. C'est pas grave. On enverra. Je payerai des timbres, au pire. Avec la YouTube Money. Bon, on verra d'autres. Donc, on enverra ce petit centime à quelqu'un dans une enveloppe. N'importe quoi. C'est vraiment. Voilà. Donc. On l'enverra à quelqu'un, à part si Ludo tu veux vraiment pas le faire, au pire on le donnera à l'association Zedgen si vous connaissez pas. Il est parti dans un délire là, il est Ah moi je suis à fond dedans. Bon, bon allez. Dernière partie, c'est ouais, parti. On va faire une game. Non. Allez, cette fois-ci on va regarder ton gameplay. Vas-y, triche à fond. Bim. Et si Ludo il gagne, et bah Ludo fait ce qu'il veut avec la pièce. Moi de ma part, Ludo, si je gagne cette partie, ouais. Je la donne à l'association ZGN. Oh, c'est trop gentil. Franchement, un centime. Non, mais en plus, c'est le centime qui va apporter voilà. Chance et. Ça sera dans nos mémoires. Et bonne fortune, bien sûr. On retrouvera l'être aimé, bien sûr. Donc voilà, et Ludo, toi, si tu gagnes la pièce, qu'est-ce que tu fais? Comment? Qu'est-ce que tu fais, toi, si t'as eu le centime? Je la garde pour moi. C'est vrai? Non, je rigole. T'en fais quoi? J'en ferai un don, bien sûr. Je vais la prendre en photo et je vais la poster sur Twitter. Avec ma tête, avec un visage, avec une mine réjouie. D'accord, bah, si Ludo gagne, il vous fait gagner une pièce. Tout ce qu'elle représente va être très précieux pour moi. Voilà. Bah, putain, c'est ça, en fait, ce que tu dis. Hein. C'est si tu gagnes, la pièce, tu la donnes. C'est ça? Non, j'en ferai un don à la souris. Ok, d'accord, bah en fait... On est en train de faire tout un film sur une pièce d'un centime. Bah oui, bah, c'est important, c'est de l'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. C'est ça, y a pas d'argent magique. C'est voilà. Important. Il faut tout le temps s'en débarrasser. Donc, là, le centime, on va en faire bon usage et on va la donner à Zedgen. Je suis sûr qu'ils seront très contents quand même. Tu m'étonnes. Ouais, une pièce d'un centime. Champagne. Alors qu'on a un petit troll, salut Jessim du 69, pas très gentil de dire ce genre de choses. Juste ton micro, d'accord. Comme tu veux. Qu'on pourrait être humoristique. Très drôle. Est-ce que tu veux jouer avec nous plutôt? Je sais pas si tu connais le jeu Darwin Project. Oh bah là dans tous les cas, ça te finit. Hein. Si tu veux jouer au plus gros troller... Bah, je sais pas. Il est très... Alors pour parler du jeu, en fait c'est un jeu gratos que tu peux trouver sur Steam. Et comme tu vois, hop, c'est un jeu qui est une sorte de mélange de Fortnite et de Ark. Ah tu connais, ok ça marche.
Hop. Ah ouais, ok, ouais, donc tu connais bien en fait. Tu connais bien. Niveau 44. Ah d'accord. Ouais, donc là, là, si tu t'attends à avoir du gameplay de ouf ici, ça va être raté. J'ai juste gagné en fait. On doit être à une dizaine de games d'expérience. On a découvert ce jeu il y a vraiment très peu de temps. Et on le trouve assez sympathique, ce petit mélange survie et Fortnite et baston est assez sympathique. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Comment tu le trouves? Moi? Jessie. Ah bah oui, d'accord, ça t'a même plus le... Et non, je parle avec les gens qui passent sur le chat. Ah hein. Hop, tac, tac, tac. Bam, on va faire des flèches. Ouais, bien sûr. Hop, je te baisse un peu la musique. Bim. Normalement, et ça voilà. Devrait être mieux. Tac. On est à 450 d'ailleurs abonnés sur Twitch et sur YouTube. Merci beaucoup tout le monde. Voilà, pour t'expliquer un petit peu le camp. Oula, je suis en train de... Je suis en train de me transformer en classant. Voilà, pour t'expliquer un petit peu le concept, on a lancé donc début d'année ce live mensuel, le dernier stream avant la fin du monde. Jessim qui te donne un conseil, Bastien. À la place du Mega Jump, il te conseille de jouer la tourelle. Mega Jump? Mais je sais pas, faut croire que t'as dû crafter un Mega Jump et il te conseille de crafter jump. D'abord une tourelle avant le Mega Jump. Dis-moi ce que c'est Mega Jump. Enfin, j'ai pas de Mega Jump en fait. Alors ton R en fait, en bas sur la ligne du bas, tu ouais. as donc le R que tu as. Ouais. Ah ça c'est un Mega Jump. Voilà. Il faut que je fasse ça. Non, ça c'est le truc que tu as fait et il te conseille la tourelle. Donc je pense que la tourelle, tu dois retrouver l'icône facilement. Parce que si le jeu est bien fait, ça doit ressembler à une tourelle. Moi, j'ai pas de tourelle, en ah fait. Ah moi, j'ai pas de tourelle, en fait. C'est le problème. Donc tu vois le level, Jessie, mais on n'est pas... Ah, ouais, en fait, on... Non, on débute vraiment. Ouais. Alors, en gros, il le changera au menu. Tac, tac, tac. Il faut changer au menu, d'accord. Ah, il faut qu'il fasse le camo. Il a dit quoi? Tant mieux. Tu nous parles chinois. On ne comprend pas. Quelle langue tu parles? Oui, mais carrément. Ok, Ludo. Hop, hop. Nous, on a juste compris qu'il fallait démonter les fauteuils, qu'il fallait abattre des arbres et faire des trucs avec. On est à peu près là dans notre phase d'apprentissage. Après les côtés un peu stratégie, on n'a pas. Moi, j'ai compris aussi qu'il fallait buter Alors, des cerfs. En bas, c'est les électroniques et là, il doit faire le G. Le G. Donc le G. Mon G, c'est mon camo, ouais. D'accord, ok, ok. Ouais, ça effectivement c'est un jeu où pour pouvoir bien jouer, il va falloir connaître tous les trucs à crafter, dans quel ordre, en priorité. Il doit y avoir effectivement tout un schéma à respecter pour être bien opti, que l'on n'a pas du tout. Je sais où tu vas, Ludo. Ah bon? Tu me traques? Là t'as laissé beaucoup trop de trucs en fait derrière toi. Donc il nous dit qu'il faut garder toujours du bois. Ouais, ça effectivement, on l'a appris. Ludo, sort de ta zone. Yes, merci. Ça, on l'a appris à nos dépens, bien sûr, hein, via le froid. Absolument, ouais. Pour l'instant, on est parti sur du 1v1. Mais tout à l'heure, il y a... attends, il est en train... Oh, comment il est en train... Je suis en train de parler, tu vois ça? Oh là 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 là. T'as vu comment il est? Je suis en train de parler avec toi et il est en train de me tataner... Ah. Merde, j'ai plus le flèche. Ben si tu veux, ouais, on peut se faire une petite derrière game. Il va falloir vite la faire parce qu'il y a Bastien qui va devoir nous laisser assez rapidement. À part moi, après, je pourrais partir, mais... Ouais, mais le but, c'est de le faire à 3. S'il joue contre moi, ça n'a pas d'intérêt. Ok, ça marche. Si on a fait une de plus, toi, c'est dernier carat. Il faut que tu partes à quelle heure? 18h. Si on en fait une dernière, en sachant que c'est un petit quart d'heure.
Ouais. Bon, après s'il est level 44 et si voilà, si on joue pas Ah, on peut faire du 2v1. Ah, ben je savais pas. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être une bonne ouais, avec plaisir. Parce que voilà, vu qu'il est level 44 et nous pas super haut level, je pense que ça va aller assez vite. Dès qu'il va nous trouver une fois, on va être vite tatané. Bah avec plaisir. Et à ce moment-là, si vraiment tu vois que le temps est short, tu te déco et c'est pas grave. Ouais. Alors du coup, je fais n'importe quoi. Bah je là, tourne... il est déjà 18h quoi. Ça, ouais, il est déjà 18h. D'accord, ouais, en fait, c'est pas le jeu qui prend en charge forcément le système de V1, c'est simplement qu'on fait une alliance informelle, entre guillemets. Ça marche, ça paraît logique. Alors, le Discord, on l'a pas encore mis en place, effectivement. On en a, enfin, il y a un potentiel, mais on l'a pas paramétré. Donc, c'est pour ça, il est où ? Donc, c'est pour ça, on en a pas pour ce coup-ci. Mais voilà, donc nous, on sera là tous les mois. On est là tous les mois, tout le dernier samedi de chaque mois. On est là sur Twitch et sur YouTube en simultané. Putain, qu'est-ce que je fais ? J'étais en train de re-rentrer dans la zone fermée. C'est du feu qu'il faut faire. Pour la prochaine fois, on mettra en place le Discord, effectivement. On mettra le lien. Parce qu'on a, pour tout dire, hein, on a commencé donc le live début janvier. Donc là, on commence à être assez régulier. Et il y a du monde qui vient nous voir, comme toi par exemple. Ah, et tu m'as eu, je suis mort, je suis actuellement décédé. Voilà, donc là, on a lancé le live mois de janvier et on en a fait déjà 4. Et là, maintenant, ça y est, ça commence à prendre. Ben, toi, t'es arrivé, on a eu... je me rappelle plus de son prénom, qui est passé nous voir. Donc on va pouvoir mettre en place des systèmes pour discuter entre nous. Ça va être assez sympathique. Donc la prochaine fois, il y aura un Discord, c'est promis. Donc on fait une toute petite game. Ah, t'as plus de son ? Vas-y, parle. Ah, tu veux couper ? Voilà, c'est bon, c'est coupé. Alors c'est comme tu veux Bastien, là si on s'engage sur, alors attends je lance tout de suite le match pour pas perdre de temps. Voilà, tu me dis, hein, c'est par rapport à toi, moi je lance une game, donc là pour te donner un petit ratio, ça a pris une petite dizaine de minutes et comme ça Jessim va nous montrer comment il faut jouer à Darwin Project et comme je dis... Tu peux rentrer dans la game à ce moment-là et dès que tu veux partir, tu pars. Et tu te déco et à ce moment-là, on peut faire comme ça. Ok, alors je vous affiche. Toc, bim. Et bim, voilà. Tu as le code qui s'affiche sur le live, Jessim. Tu connais. Bon, comme tu veux, Bastien, c'est toi qui vois. Après, je sais pas, c'est surtout par rapport à ton impératif derrière. Là, voilà, pour te donner une idée, tout à l'heure, on a lancé la dernière partie, on l'a lancé, il était à peu près moins 10 passé. Donc là, il est 3, donc ça a duré une petite dizaine de minutes, en sachant qu'on n'est pas des super fortiches. Donc clairement, donc là, voilà. Tu vas y aller ? Ok, voilà, je te laisse dire au revoir. Hop ! Donc... Voilà, bon, environ... Oui, si, c'est bon, ça marche. C'est okay. Parce que le son est pas très... Excusez-moi. Donc, j'espère vous revoir vite. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce live avec vous. Je vais laisser faire le 1v1 contre... oui, 1v1. Ouais, me prendre une tannée, tu peux le dire. Je vais me prendre une déculottée. Donc, avec Jessim qui va me montrer la vie. qui va m'apprendre la vie. Ludo et... Mais je vais essayer, Timéo, de gagner au moins une partie. Pardon, je te coupe. Vas-y, vas-y, je te laisse faire ton... Donc, moi, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, moi, je vous dis bye-bye et... salut. ça marche. Donc oui, malheureusement, Bastien ne peut pas rester avec nous parce qu'il a un impératif pour la soirée. Donc voilà, il s'était engagé jusqu'à 18h. Mais je reste avec vous donc pour faire cette démonstration. J'attends, voilà Zeta qui vient de rentrer dans la game, qui est juste là, qui va donc qui est niveau 44 et qui va un petit peu m'apprendre à jouer ce jeu-là. Je sens que je vais me prendre une déculottée de la mort. Mais bon, il faut bien apprendre. Hop. Donc voilà, donc pour donner la logique, moi je suis à peu près à ma 10e game. Donc toi je sais pas combien tu es. Bon en plus si tu regardes, ouais, je te fais confiance, hein, tu regardes pas le live. Hein, parce que là franchement c'est foutu. Si en plus
tu ziotes le live parce qu'il n'y a pas de décalage, donc tu as juste les 30 secondes classiques de Twitch, tu n'as pas de gros décalage, donc tu peux facilement cheater pour, voilà, pour savoir où je me trouve, mais clairement, tu n'as pas besoin de ça. Vraiment, clairement, en jouant normalement, tu vas me faire... c'est ma game de chauffe, vas-y, je quitte le live. Ok, ça marche. Ok. Tac. Et donc, je joue contre un futur abonné. Je sais pas si tu t'es abonné, mais comme tu as quitté le live, tu m'entends plus. C'est ballot. Oh là là, j'ai raté. J'aurais dû te demander de t'abonner avant avant que tu quittes le live. C'est la, c'est la déception. C'est la pression. Alors que voilà, alors que Bastien vient de me donner son, son trophée, bien sûr, la pièce de 1 centime. Nous avons du budget ici au dernier stream avant la fin du monde, comme vous pouvez le voir. Et je joue contre Zeta, qui est un viewer niveau 44, qui est là depuis pas mal de temps, enfin qui connaît bien le jeu, et qui va très probablement me mettre une petite fessée des familles. Eh non, non, ne débranche pas, sinon ça va faire des bruits sur le live. Non, je m'en occuperai, t'inquiète. Taratari. Et donc Timéo, dis-moi, t'as réussi à... Ah ben oui, je t'ai pas envoyé... Ah, excuse-moi, je t'ai même pas envoyé le texto. J'ai voulu le faire et... Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, là, on n'aura pas le temps de refaire une game. Mais si ça te plaît, ouais, je pense qu'on va pouvoir l'installer et se faire des petites games. Voilà, donc tu regardes, Timéo, tu regardes bien comment joue Zeta dans la game. Et tu prends exemple sur lui. Tu prends surtout pas exemple sur ton père. Pour une fois que je peux te dire ça. Ne prends pas exemple sur ton père. Hop. On peut s'accroupir. Ah ouais, on peut s'accroupir. Comme ça, on peut le mettre en mode furtif. Je pense que ça doit marcher. Alors que je prends aucun electronics. Donc forcément, arrivé à un moment, ça va être... Un préjudice, comme qui dirait. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y a un écran de télé. Ok. Donc, j'ai repéré. Alors, il est là. Donc, il faut que j'aille absolument à l'opposé. Merde, comment on peut s'orienter sur ce truc ? Comment ça marche ? Donc, ça serait... Donc, je suis là. Donc, il faut que j'aille là. Ok. Donc... Oh putain, non. Ah, il est sur ma trajectoire. Ah là 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 là. Ça le fait pas. Vite, kumbaye, je fais du faux de bois. Hop, on sort la guitare. Oh, j'aime bien cette blague. Désolé. Oh là là, et je me suis fait complètement bloquer par la fermeture des secteurs. Donc, pour pouvoir m'échapper, je suis obligé de traverser son secteur. Ah, et c'est mon... Oh là là. Là, je crois que c'est la défaite. Mon secteur va fermer. Je sais, sauf s'il change de place, que sur le cadran suivant, il est là. Il est à l'affût. Parce que l'affût, ça ne veut strictement rien dire. Affût loup. Il est fou, affût loup. Et il va y avoir forcément, à un moment donné, il va y avoir baston. Avec, comme vous l'avez deviné, un certain déséquilibre dans les forces en puissance. On va crafter de la flèche, en veux-tu, en voilà, parce que il en faudra. Mais je pense que ça ne servira pas à grand-chose. Et je n'ai pas suivi le très bon conseil qu'il a donné sur le live, parce que comme vous avez pu le remarquer, je n'ai plus de bois. Et bien sûr, pas de bois, pas de chocolat. C'est une variante que tout le monde connaît. Bien évidemment. Hop. Ah, mais heureusement, il y a... Voilà, donc là, c'est là où on est dans la zone de tous les dangers. Parce que je sais qu'il est là. Oh, putain, enfoiré.
Enfoiré. C'est encore cette zone là qui va se terminer. Donc je suis en mode vraiment Forrest Gump. Je cours. Je cours pour échapper à mon funeste destin. Putain, qu'est-ce que je parle bien. Sauf si j'aurais pas dû dire à ce putain, ça a cassé un peu mon flow. Ah, attention, là je suis en mode tracking. Là ça rigole plus. Je vais traquer le monsieur. Et le monsieur, il est... Oh, ça va, il est loin. Ça va, il est loin. On peut... Non, mais je te laisse là, caribou. Vas-y, vas-y. Non, je suis en mode pacifique. Je suis en mode vegan. Je te laisse tranquillement vaquer à tes occupations. Hop. Ah, génial. Encore une trace. Il est où? Il est là. Oh, il est toujours dans les hauteurs. Et je peux monter. Ah oui, d'accord, il est en train de récupérer. Putain, et je vais me faire... Oh là là. Kumbaye, kumbaye, kumbaye. Top. Et c'est parti. Oh là là, je suis dans une zone complètement forbidden. Oh là là là. Et tu vas même pas... Oh là là. Ouh là 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 là. Là ça... Ouh là, ça pue. Ouh, ça pue. Ouh, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Allez, sors, 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 sors. Tu vois, je sais même pas si on peut se healer, quoi. Oh là là, je fais sortir in extremis. Allez, cours. Non. Oh putain, je suis décédé. Oh, je suis décédé. Ouais, donc bah, je sais pas si tu m'entends du coup. Attends, je vais mettre mon micro. Hop. Je sais pas si tu m'entends sur le live parce que j'avais coupé mon micro parce qu'avec Bastien ça faisait des... Enfin bref, ça faisait des échos. Bah, je suis mort dans... écrasé par, par le cadran. Donc ouais, donc tu vois, c'était pas un grand niveau, donc tu verras ça au replay, quand tu regarderas le replay pour voir comment je suis mort. Je suis mort dramatiquement, ouais, désolé, j'ai été mort, comme tu l'as pu le voir, bassement par une fermeture de zone intempestive, et avec une très mauvaise gestion de ma température corporelle, parce qu'il a fallu que je fasse un feu de bois à l'arrache à l'intérieur de la zone qui était déjà interdite, et ouais, GG, ouais, merci. Merci, non, c'est bon, te moque pas. C'est bon, te moque pas. te moque pas. Allez, allez. Éventuellement, comme moi, je peux rester. Ouais, alors, non, le Discord, vraiment, je peux pas. C'est pas que je veux pas, hein, c'est qu'au niveau du réglage, là on va terminer le stream. Donc, au niveau du réglage, ça va être un peu chaud. Salut Gabriel, parce que voilà, au niveau de l'install, en fait, on a une install avec une table de mixage, tout ça, donc et installer le Discord sur le PC, ça va être un peu compliqué, donc ça aurait été vraiment avec grand plaisir, Jesse, mais là, techniquement, ça va être vraiment chaud. Donc moi, ce que je te propose, si tu veux, on peut se refaire une nouvelle game, donc là où on joue directement en duel, voilà, pour qu'on fasse au moins un vrai fight, parce que là effectivement c'était un fight petit bras, quoi. Je suis mort de façon très merdique, quoi, il faut l'avouer, très merdique, très merdiquement, je sais pas si cet adjectif existe, je l'invente, bref. Donc là je propose de refaire une petite game pour que tu puisses nous montrer tes talents d'archer et de coupeur de bois avec ma tête. Alors Timéo, je suis désolé, là ça va être vraiment la toute dernière game, parce que là la game va nous amener vers du 18h30 et après non, on va couper le live et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle partie, et peut-être même un petit peu plus tôt, le 9 et 10 juin, restez connectés, il n'est pas impossible qu'il se passe quelque chose, restez bien connectés. Jessime qui me dit de toute façon, t'aurais mis le portail, tu serais mort. Oui, ben, tu vois, juste le portail, je ne connais pas ce fonctionnement-là. Ah oui, ça j'en doute pas, Jessime, que tu m'aurais mis la pâtée. Hein. Ça, franchement, je ne doute pas du tout que dans tous les cas, tu aurais gagné. Ça, j'en doute pas, sauf si vraiment gros coup de bol. Ça peut arriver, mais je l'aurais dit que c'était un gros coup de bol parce que voilà, c'est ma première game, j'ai pas encore les habitudes de crafting, tout ça. Voilà, donc là je suis en train de relancer une game, c'est parti. Non, mais même si t'es nul, t'as forcément plus d'expérience sur le jeu, t'as, voilà, au moins, bah, la preuve, tu parles de portail, et je ne connais même pas le concept de portail. Hop, voilà, donc là, je
te rebascule là-dessus, bim, je t'affiche le code, bim, et je t'attends. Oui, donc comme je te disais, Timéo, là, on fait cette dernière game. Oula. Ah, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va couper le sort. Oula. J'ai des sons bizarres. Bon, je vais couper le son du jeu parce que ça fait des sons très bizarres dans le... Oui, non, je coupe définitivement mute all. Non, c'est bon, hop. Ok, donc ouais, je t'attends, t'as le code qui s'affiche sur l'écran et on se fait cette dernière petite game. Voilà, parfait, t'es là, pour que tu puisses me montrer un petit peu comment on joue. Allez, on perd pas trop de temps, c'est parti. Aïe, il me tape dessus déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est parti. Alors que j'entends Bastien en train de se battre avec je sais pas quoi. Ouais, Bastien qui nous a laissé un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Enfin non, pas plus tôt que d'habitude, je dis n'importe quoi. Il a fini à 18h et il a un petit impératif, donc il a pas pu faire d'extra. Le mois dernier c'était moi, donc je ne lui envoie pas la pierre. Pierre. Alors que je joue contre Zeta, un viewer qui est passé par là. Et donc Timéo, ouais, je te disais que là, je termine cette game avec Zeta qui va me mettre une petite fessée. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle game. Donc on va voir sur quel jeu on va se mettre. Alors on va peut-être pas faire du Darwin Project. Mais voilà, Darwin Project nous a bien plu. Franchement, c'est un jeu qui nous plaît. Donc il est vraiment pas exclu qu'on refasse des games là-dessus. Et en plus, voilà, il est vraiment bien calibré pour le stream. Il est vraiment super adapté. Le système de jouer avec la communauté, avec le côté influence, va être assez sympathique. Donc voilà, s'il y a beaucoup de viewers, donc là déjà il y a deux viewers qui nous ont rejoints et qui suivent la chaîne Zeta, point clin d'œil, hashtag clin d'œil. Donc la prochaine fois qu'ils verront passer sur notre chaîne, qu'on se fait un petit Darwin Project, on espère qu'ils seront là au rendez-vous. Ce qui fait qu'on pourra se faire une petite game. Donc si on a deux streamers avec les deux viewers, une petite game au moins à 4. Et là, moi, je me mettrai show director et je viendrai vous faire la misère. Ça va être... Oh, ça va être fantastique. Je sens que ça va être sympathique. Ah, tu vois comme quoi on a un kit de... On peut se healer. Et je vois que le heal, c'est le 5. Donc, je pourrais utiliser le heal... Alors, je sais même pas si je l'ai... Allez, salut Bastien. À plus. Merci pour ce très très bon live qui était vraiment très sympathique. Et merci pour cette très belle découverte. Ouais, c'était vraiment super bonne idée de jeu. Oh, il est là. Il est là. Attention, c'est déjà... Ouh là là, attends, là, on va faire la stratégie de la fuite. Hein, parce que... Putain, j'ai même pas crafté... Oh putain, j'ai même pas crafté de flèches. Non, mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je ne te veux pas de mal. Je sais même plus. Oh, putain. Et ça va durer longtemps. Putain, non, allez. Allez, un petit peu de combat. Je suis dragué. Mais attends, je suis juste derrière la maison, en fait. Ok. Oh là 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 là, ça, c'est la déception. En fait, tu veux que je coupe le live rapidement, c'est ça, hein? Tu veux que cette partie se termine. Allez, tac, viens là, au moins que je te mette au moins un coup de hache. Allez, ouais, au moins une fois. Voilà, au moins l'honneur est sauf. Je suis pas Fanny, je t'ai mis un coup de hache. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Pour toi, ça veut peut-être pas dire beaucoup, mais pour moi, ça veut dire plein de choses. Hop là, oh là, ça c'est le combat au sommet. Hop, ouais, salut Bastien, alors que je suis obligé de dire au revoir. Alors je suis absolument à multitâche. Ah là, vous pouvez... Ah oh,
Ah, j'ai été tué. Et j'ai eu une fausse joie. j'ai eu vraiment une fausse joie. J'ai cru que je t'avais tué. Mais bon, c'était vraiment une joie de très courte durée. Parce que j'ai tout de suite compris que ça ne pouvait pas être vrai. Voilà. Donc ça a été plutôt rapide. Comme vous avez pu le voir, j'avais complètement zappé de crafter des flèches. Non, mais si tu vois, vraiment le noob de base, quoi. J'avais même pas de flèches à t'envoyer dessus. Voilà, bref, j'étais vraiment pas dedans. En tout cas, ça a fait vraiment plaisir de jouer avec toi. Vraiment. Donc, n'hésite pas à suivre la chaîne et à nous suivre donc sur à follow sur Twitch ou éventuellement suivre la chaîne, donc ZGen276. Parce que voilà, comme je disais, on est sûrement amené à refaire des lives sur ce jeu-là qui vraiment nous a plu, Donc comme ça, si dès que tu verras passer sur Twitch le nom du jeu et Darwin Project, bah comme ça tu viens au rendez-vous. Donc on est là tous les derniers samedis de chaque mois, le dernier stream avant la fin du monde, de 16h à 18h, on t'accueillera avec plaisir. Ouais, Jessime, tu m'as mis la misère. Mais bon, ça, c'était franchement, c'était plus qu'évident. Plus qu'évident parce que franchement, moi, on a découvert ce jeu avec Bastien. On y a joué, donc bien sûr, pour faire le test du live, on y a joué un petit peu pour voir au niveau technique si tout passait bien. Bon, j'y vais. Ouais, à plus B. Merci d'être passé par ici. Et voilà, n'hésite pas à nous suivre, j'ai déjà dit, et à t'abonner. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Bon, ben voilà, ce live qui se termine. Alors voilà, je le termine tout seul. Malheureusement, mon compère ne pouvait pas faire ce petit débordement de 20 minutes. Ça peut arriver de temps en temps. On a effectivement nos petits impératifs. J'aurais dû te laisser me tuer. Non, ben non, t'as bien fait de jouer la game. Ouais, non, t'as bien fait. Voilà, si c'était joué d'avance. Non, c'est vrai que si on avait eu plus de temps, ce qu'on aurait pu éventuellement faire, c'est de crafter chacun de notre côté et vraiment d'aller jusqu'à la mort subite, quoi. Vraiment avec le rétrécissement, c'est vrai que ça met un petit peu d'enjeu assez sympathique. Bon, on le fera donc la prochaine fois avec très très grand plaisir. En tout cas, merci d'être passé par là. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous dire merci à tout le monde d'être passé par là, ça fait bien plaisir. Et on vous donne donc rendez-vous au mois prochain, donc le dernier samedi du mois de juin, que je n'ai pas repéré. Alors c'est d'habitude Sébastien qui fait l'annonce du prochain live, mais vous allez sur un calendrier, vous checkez le dernier samedi du mois de juin et vous tombez forcément sur le bon samedi. Donc je vous donne rendez-vous au dernier samedi et peut-être avec une petite surprise. On est en train de goupiller un truc, restez connectés. Donc le 9 et 10 juin, on vous prépare une petite surprise avec peut-être un stream délocalisé. On est en train de finaliser les derniers éléments et peut-être un stream spécial le 9 et 10 juin. Donc restez bien connectés pour en savoir plus. Allez, sur ce, je vais baisser la musique et sur ce, je vous dis à au mois prochain ou peut-être dans 15 jours si tout ça peut se faire. Allez, ciao ciao.